Et bonjour tout le monde. Petit unboxing 89. Ouais, on est blanc, non? Ouais, mais c'est parce qu'on vit dans le sud. Mais c'est plutôt non, parce que la lumière, elle est forte dessus. Tu veux que j'éteins? Allez, ouais, on va éteindre. Alors, on a failli pas le faire. Parce que comme c'est les vacances, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues au magasin et ça a été difficile. Avant de commencer, il y en a un qui passe dans les magasins de magie et qui prend pour beaucoup d'argent, qui fait des chèques et à la fin, les chèques sont en bois. Donc il a fait deux magasins, on ne dira pas les noms, ça ne sert à rien. Un, il aura pris combien? 1005. Le deuxième, il a vu le vent tourner, il est monté jusqu'à 200 et quelques. Voilà, mais j'espère pour lui qu'il ne sera pas en bois, le 200 et quelques. Il sera en bois. Mais il sera en bois, c'est sûr. Il sera en bois. Et moi, il est venu et il en voulait pour 1600 euros. Et j'ai senti le vent tourner. J'ai dit, écoute, je vais réussir à l'embrouiller en disant, je garde la marchandise et je te l'envoie par la poste parce que tu es en train, ça va être trop lourd, le carton est un peu gros. Et en fin de compte, j'ai rien envoyé, j'ai posé le chèque d'abord et il est revenu en bois. Donc, j'ai pas le droit de donner son nom, il s'appelle Diez. J'ai pas le droit de ni donner son nom ni donner sa tête, mais bon. C'est lui. Il s'appelle Diez. Diez. C'est quoi Diez comment? Jérémy. Jérémy. Il s'appelle Jérémy Diez, il a 7 têtes. Et il fait des chèques en bois dans tous les magasins. De magie, bien évidemment. De magie ou peut-être ailleurs, je sais pas. Mais voilà, si vous le connaissez, prévenez les gens et voilà. Petite publicité gratuite. En plus, c'est gratuit. Je ne fais pas rien payer. D'habitude, c'est payant la publicité. Après, je vais remercier. Alors, j'ai remarqué vite quand il m'a dit. Gabriel Bronze. Ouais, je suis pas sûr du nom. Hein. Je sais qu'il y a deux O's à deux. Bon. Ah, d'accord. Bruce, alors. Voilà, et il nous a donné des petites infos sur la Haunted Box. Alors, on le remercie parce qu'on ne le savait pas et ça nous a permis de. Donc, on va améliorer l'explication de la Haunted Box parce qu'on peut faire plein de choses en plus. Entre autres, une fois que la spectatrice elle a choisi une carte ou le spectateur, que la boîte s'est fermée, on peut la rouvrir et le refaire. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, se faire choisir par exemple quatre cartes, et à chaque fois qu'il y a la bonne carte, ça se ferme, c'est votre carte, oui, et ainsi de suite. Oui, donc, sans réactiver la boîte, bien évidemment, c'est l'intérêt de ce truc-là. C'est vachement intéressant de faire ça en plus, parce qu'on ne s'arrête pas une fois. Mais tout à fait. Voilà. La première fois, on a peur, la deuxième fois, on se dit, oh putain. Mais c'est ça, c'est que la première fois, on a tendance à croire qu'on touche la petite chaînette. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée de couper la chaînette. D'en couper une. Il me semble, oui. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est. Donc on va refaire une explication pour. Aller plus loin, et elle va apparaître après sur votre compte. Pour l'instant, on n'a plus de boîte, on va les recevoir lundi. Donc, le temps de faire tout ça, et vous allez la voir apparaître sur votre compte une fois que vous avez déjà acheté ce tour. Voilà. Ensuite, ça c'est fait. Bien. Je devais remercier encore quelqu'un d'autre, j'ai encore oublié sa fiche que je mettais là. Merci à Rémi. Parce que la boîte de chocolat, elle est partie extrêmement vite. Alors, surtout la mienne, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je pense qu'il m'a livré vide. Ah, peut-être. Et donc, merci à toi. Et moi, je me suis fait avoir. Il me l'a livré. Il y avait ma femme. Donc, elle est partie avec à la maison et elle a caché. Voilà, donc, voilà c'est ça. J'ai eu le droit d'en piquer un au passage. Bien, mais bon, il est venu en plus de Suisse. Avec sa Maserati exprès nous amener ça. Et faire un bon petit resto après avec Anthony, on s'est régalé. Merci Anthony aussi, il était là. Ouais. Voilà, non, Anthony de, c'est ça, de la Cité de la magie. Voilà, ça c'était les petits remerciements. On s'est bien régalé. Ensuite... Moi, j'ai pas mis Fanny au boule, mais bon, ça on n'a pas pu. Hein. Ah. Crazy Dazzle, c'est sur votre compte. Tout ce que je vous ai parlé la semaine dernière, c'est arrivé en retard... par exemple, PTSD, c'est arrivé sur votre compte. Le double cross, c'est arrivé sur le compte aussi. Et je vais mettre pour ceux qui ont acheté la recharge et les tampons, pour ceux qui nous posent la question, donc surtout sur la recharge, comment recharger. Donc je vais mettre le passage là-dessus aussi, les explications. On a fait Transpo Spot, c'est sur votre compte aussi. Donc là, on peut en parler, c'est déjà fait. Et on va continuer à faire d'autres trucs, tout est là-bas. Exactement. Voilà, il faut juste le temps. Petit à petit. Bien. On parle des livres en premier.
Des livres que... Oui, parce que j'ai commencé à en lire deux. Ça vient juste d'arriver ce matin. J'ai même pas regardé, je Le les ai pas dessous mis. des cartes de Durati, Ça, c'est pour ton public, je pense. Le dessous des cartes de Durati. Pour tout public, c'est-à-dire. Ah non, il y a des Là, choses c'est à un peu faire. plus Ça, c'est un petit peu plus complexe, complexe, exact. mais Durati, c'est pas du. Alors, c'est pas du facile-facile non plus à chaque fois. Alors, je ne l'ai pas lu. J'aurais bien aimé un petit peu commencer à le faire, mais non, je l'ai Il y juste a du déballé. Ça reste vraiment à chaque fois Hakan pour comme les dans les choses fainéants. du. Oui. Il y a du Hakan, on voit Vraiment là. comme sur tous ces livres, c'est écrit de la même façon. Il y a des dessins à chaque page, hein, Et quasiment. ça reste majoritairement donc le dessous des cartes. Donc vous avez compris que on reste sur des effets principalement de cartes. J'ai vu des Alors un peu trucs de avec des tout, autant flaps. des effets de mentaline que des effets de coïncidence, que des effets il y a vraiment de tout, on Donc va pour dire. les radins, vous mettez sur marche arrêt et vous recopiez le livre. Donc voilà, après c'est toujours bien fait, parce que j'ai lu que le premier truc. C'est toujours bien dessiné, Oh, je suis un... Ah ça merde, reste j'étais un peu haut. propre. J'étais un peu haut, pardon. Voilà. T'aurais pu me dire. Je voyais pas parce que je voyais pas le retour de la caméra. Mais je peux pas en dire plus. Juste qu'on l'a. Donc encore une production, une Ah, édition marchand de trucs. un truc dans une banane. Et voilà. Et malheureusement, on ne peut pas vous en dire plus parce qu'on vient juste de le Ben, recevoir. juste Donc le on a. recevoir et j'ai pas lu, je me suis pas consacré à lui. Mais c'est un beau livre en tout cas. Moi j'adore les livres de toute façon. Voilà. Mais ça fait un livre en plus de la collection des livres de Durati, d'ailleurs dans le même format, plus ou moins que les autres qu'il a fait. Ça, Et voilà. t'en as lu un, je Ça, crois. j'ai commencé à. Non, j'en ai lu trois. Trois effets. Peine et les magies. J'en parlerai plus tard. Là, ben, PNL et Magie, donc de Benoît Campana, donc encore une édition de chez Marchand de Trucs. Donc Benoît Campana avait sorti PNL et Magie, Hypnose et autres secrets là, Alors, sur étant des livres donné. blancs petit Ouais. format. Mais étant donné Et que je ne là, sais pas, parce que David, il m'a dit c'est-à-dire tu sais c'est les pas. deux livres réunis. Alors Mais les j'ai pas l'impression. Donc, soit il m'a dit des bêtises, mais donc je ne veux pas en redire derrière. Parce qu'il m'a dit c'est les deux livres qui les a mis en un seul. Quand il m'a vendu ça. Donc peut-être qu'il me l'a vendu pour m'embrouiller, comme d'habitude. Alors, je pense pas. Ça, c'est le C'est le PNL PNL normal. Magie d'autres secrets parce qu'il y a PN, Magie de scène ou non, magie. il y a PNL Hypnose ou je sais plus quoi là. On doit les avoir là-bas encore. Et PNL et Magie et d'autres secrets. Donc non, je pense pas que ce soit les deux. Je veux pas dire. Je pense pas qu'il y ait les deux dedans. Je veux pas dire une bêtise, mais bon, bref. En tout cas, c'est une réédition. C'est les deux petits livres blancs avec le liseré rouge. Il était en train d'essayer de les chercher pour savoir si on trouve les deux et si on les a encore. Mais voilà, donc si c'est la même chose que le premier. Donc ben, ça va parler donc de PNL. Et magie. Alors magie, c'est un bien grand mot puisque moi j'ai lu les deux. C'est plus une façon de, si je peux en dire quelques mots, de comment je pourrais dire ça de façon simple. Il va vous apprendre à essayer, même si en vrai c'est pas tout le temps le cas. Et puis en plus c'est pas On ne peut pas tout le temps faire effectivement ce qu'il décrit dedans, puisqu'il faudrait quand même passer une multitude de temps avec les gens. Et souvent, quand on fait du close-up, on est payé, on va sur le lieu, et puis on attaque, parce qu'ils ont un timing bien spécifique. Donc c'est sûr qu'on n'est pas là à regarder comment se passe tout le temps la soirée, à étudier la personnalité des gens. Mais en gros, ce qu'il démontre dedans, c'est que si on arrive à faire quelques petites études, en expliquant ces méthodes et à voir comment se comportent les gens sur certaines discussions, sur des choses comme ça, et bien en fait on va associer certains tours qu'on a dans notre répertoire
en les changeant au niveau de la peut-être de la façon de faire et surtout l'histoire pour essayer de coller au plus l'intérêt, c'est dur à dire, l'intérêt que que la personne porte sur par exemple une c'est très dur à expliquer. Imaginez par exemple, je fais un tour à Thierry et je sais que Thierry aime beaucoup raconter des choses, par exemple sur la vue, parce qu'il aime les paysages. Et à chaque fois qu'il va raconter des choses, si je vois que Thierry est beaucoup explicite au niveau des choses visuelles, je sais que ben, il va être beaucoup plus sensible si je lui fais un tour où justement je lui fais quelque chose de visuel que si je lui fais quelque chose de tactile. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais amener les choses. Et donc, ben, il va vous montrer En quelques points, anglais. quelques trucs. On en a un en anglais. Ah ouais? Ouais. Bizarre. Ah ouais? Il y en a un qui s'est Voilà, trompé. ouais, c'est Heureusement qu'il n'a pas bizarre. envoyé parce que moi, plus Exact. aller les mesures, hein. C'est vrai. Franchement, même moi, là, en le voyant comme J'ai ça. voulu lire derrière, oui. Bref. Et donc, il va montrer plein de techniques, bien sûr, des choses à faire pour essayer de coller au maximum à la personnalité des gens. Et du coup, ben, faire des choses qui les intéressent. Ouais, je pense que donc si Mais c'est même si c'est le très même petit difficile à gabarit, décrire comme ça, c'est quelque chose qu'il faut lire parce qu'à expliquer, ça reste quand même très dur. je pense que c'est le même petit livret, puisque c'est le même titre, d'autres Oui, ça secrets, c'est et sûr. qu'ils ont refait en dur. Tout à fait. Oui, Donc. parce que je pense pas qu'il y ait les deux dedans, parce que vu la taille du livre et la taille du livre en épaisseur, c'est la même chose. Donc j'en saurai plus quand je mettrai ça sur le net. PNL Exactement. et magie, d'autres On secrets. espère pas dire n'importe C'est la quoi. campana, Si, ça, si, non? oui, si Benoît, tu nous regardes, excuse-nous du truc, on n'a pas voulu le déballer, on n'en a qu'un. Donc voilà. Bien. Non, mais je te dis, c'est comme ça qu'il me l'a vendu, David. Ah, mais David, oui, David, il d'accord. m'a dit, ouais, c'est les deux réunis. Réunis, J'ai dit, mais si ok. j'en ai déjà, il m'a dit, non, mais celui-là, il est mieux. Bon. Il nous prend pour des bourricots. Ça, je crois que tu l'as lu. Ah, ça, j'ai lu en entier. D'accord, t'as eu le temps. Ouais, c'est mais on va Bon, d'abord fais-nous ça en premier. parler de ça. Donc répertoire de Azzywind. Donc encore un truc édité par un livre édité par Marchand de Trucs. Donc un bel ouvrage. Ça y est, effectivement, il n'y a rien à dire. Bravo, Ludo. Donc ouais. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure pour lui dire attention, Et moi, je n'ai pas réussi à l'avoir. il y a Diaz qui Yes. rôde. Diaz. Il m'a dit ben, merci de m'avoir prévenu. Et bien donc, que dire de ce bouquin? Alors, c'est pas fait par, pour quand même pour n'importe qui, puisqu'il y a des choses à savoir, notamment sur des chapelets qu'il faut quand même apprendre par cœur. Donc, ça, les tours sont vraiment excellents. Moi, je dis excellent parce que j'ai lu déjà les trois. Et je vais vous en faire un, mais comme ça, vite fait, pour vous montrer bah, quelque chose entre guillemets de quasi automatique, mais vous allez voir l'intelligence de l'effet. Et tout est fait à la main, c'est-à-dire toutes les. Prendre celui-là par exemple, tiens celui-là on n'en comprendra rien. Toutes les photos, toutes les illustrations sont dessinées et peintes. On Alors bien dirait sûr, l'aquarelle, on dirait un ouais, truc. donc c'est tout est fait comme ça. Donc tous les dessins, ben voilà, Je vais y aller. du livre sont des peintures qui ont été faites et bien sûr photographiées pour Oscar. illustrer tout simplement les images du livre et les choses à voir. Alors, c'est très bien écrit, ça reste très propre, c'est C'est écrit en petit, petit, hein? voilà, oui, alors, j'allais dire, c'est écrit en petit, donc il faut quand même, voilà, Ça veut dire que le livre il est plus gros d'habitude. il faut se mettre dans le livre quand même pour, voilà, c'est pas quelque chose que vous lisez comme ça, une page au hasard, c'est vous lisez un effet, vous le lisez jusqu'au bout. Ça veut dire si on l'avait mis en écriture normale, il aurait été beaucoup plus gros. Ouais, je pense. Donc Donc, profitez-en. Et après, alors de quoi ça parle? Alors ça parle bien évidemment de tours de cartes. C'est la majorité des tours sont des tours de cartes. Je sais même pas s'il y a d'autres tours. Alors, je Parce qu'à un pense que moment j'ai la. vu coin machin, mais c'est pas du tout. Alors attendez, je le feuille vite comme ça. Mais dans ça c'est un tour de. Ouais, donc c'est que de la carte. Je Ok. pense que la pub, elle a été bien faite en amont, parce qu'il y en a plein qui m'appellent, qui viennent au magasin, t'as reçu Azzywine, t'as reçu Azzywine. Et quand mon fournisseur m'a proposé ré répertoire, je ne savais pas que c'était Azzywine, parce que lui, il m'a dit, j'ai répertoire, j'ai maison quand même. Au moins, on l'aura dans le Et répertoire. en fin de compte, c'était Azzywine. Donc, je suis content de l'avoir maintenant. Et donc voilà. Beau livre, rien à dire. Et là, comme il explique dedans, donc si vous aimez des tours d'Akan,
Eh bien, effectivement, il y en a plein dedans, puisque c'est un des tours préférés de son répertoire. Donc, il y a des versions de tours d'Akan à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y en a une qui s'appelait Sakan. C'est ça. Ben, en fait, ben, quasiment tous les tours, je ne sais pas si j'ai la... donc, les tours, donc, Awakan, Sakan... il y a que des trucs en canne, S-Can, donc il y a beaucoup de, bah, des tours comme ça, et il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc 21 effets. Moi j'en ai lu 1, 2, 3, 4, j'en ai lu 4. De toute façon vous aurez le sommaire sur le site. Et je vais vous en faire un. J'en fais un tout de suite parce que c'est vrai qu'on parle, on parle et on fait rien depuis tout à l'heure. Ben ça y est. Ils sont où les cartes? Donc, allez, je sais pas, ah là. Donc, moi, on va commencer par un tour. Je suis au courant de rien, j'ai rien. Ben non, ben là, t'as pas vu du tout. Donc, on va commencer par un tour qui s'appelle, ben, moi, comme ça, je le dis. C'est Somebody Stop Me. Donc, un effet qu'il aime bien particulièrement aussi et qui se fait avec un jeu de cartes. Donc, un jeu de cartes, 52 cartes. Toutes différentes. Et Thierry, ce que je vais te demander, c'est très simple. On va mélanger ces cartes-là. Alors, il y a des cartes signées dans le jeu, on s'en fout. Hein. C'est là, ça peut être en limite presque pris par voilà, le jeu de spectateur. Et je vais me retourner parce que je vais te demander de faire des actions. Mm-hmm. Et tu vas voir que ces actions sont, alors je le dis en tant que magicien, sont très fluides. Et tu vas te dire, oula, si j'arrive à faire ça, c'est fort. D'accord. Alors, regarde bien ce que je vais te demander. Tu vas donc égaliser le jeu, le poser sur la table, face en bas, de façon à ce que je ne vois pas les cartes. Et très important, au moins comme ça, ça ira quand même assez vite, mais bon, bref, je vais te demander de couper un petit paquet de cartes. Voilà, tu le prends dans tes mains comme ça, et tu le mélanges. Alors quand je dis un petit paquet de cartes, avant de faire quoi que ce soit, peut-être que tu as coupé un très petit paquet. Vraiment petit, donc dans ce cas tu pourrais en prendre, mais je veux dire, prends-en moins que la moitié, parce qu'après si on les compte, tu vas voir ce qu'on va faire, ça peut être très très long. Donc, est-ce que tu veux en recouper? Ou est-ce que... Ça y est, c'est bon. Ouais. M'embrouille pas. Non, mais c'est fait. Donc ouais. T'imagines que je peux pas savoir le nombre de cartes que tu as. Non. Donc tu vas remélanger, encore une fois. Et une fois que ça sera fait, d'accord? Donc tu tiens toujours ton paquet face en bas, je te montre l'exemple. C'est fait. La première carte donc qui est face en bas, tu la regardes. Tu peux la montrer à la caméra si tu as envie. Moi, je détourne le regard. Oui. C'est bon. Tu remets par-dessus. Oui. Il te reste des cartes sur la table. Oui. Il t'en reste assez, plus que la moitié. Oui. Ok. Maintenant, ce que je vais te demander, normalement, c'est un autre spectateur qui peut le faire, mais là, tu vas le faire toi. Donc, il te reste un talon sur la table. Tu vas couper encore une partie du talon qu'il y a sur la table et tu vas le reposer sur ta carte. Au moins, comme ça, ta carte, elle est perdue. Il reste des cartes sur la table? Oui. Et alors, tu vas voir où je veux en venir. T'imagines que ce que tu viens de faire là, je n'ai aucun repère. Non. C'est complètement impossible. Si je t'avais fait poser peut-être le paquet entier dessus, oui. Mais étant donné que là, je t'ai demandé de couper où tu as envie, je ne peux connaître ni la position de ta carte, ni le nombre de cartes que tu as en main. Par contre, si je me retourne, peut-être que par déduction, si je vois qu'il reste peut-être 2-3 cartes sur la table, on va dire oui, tu sais. Donc, pour pas que je vois... Le restant des cartes qu'il y a sur la table, tu le prends et tu le mets dans ta poche. De cette façon-là, il est impossible pour moi de savoir où se trouve ta carte. Bien. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, on va essayer de faire un petit test. Le test, il est très simple. Je vais te demander, alors je ne sais pas combien tu as de cartes, mais bon, bref, dans tout le cas, même si je le sais, ça ne me dit pas où est ta carte. Donc tu vas prendre le jeu. Et tu vas poser les cartes une par une sur la table, tu vas les compter plus ou moins. Hein. Et en fait, à moi d'essayer de voir où se peut te trouver la carte, tu vois. Donc en... Ah, va doucement. Ouais, passe-les. Allez. Ah, t'es au bout? Oui. Ok, je pense que j'ai senti quelque chose alors que ça paraît totalement impossible. Moi, je ne sais pas déjà où elle est. Reprends le jeu. Pose la première.
Vas-y. Ouais, tu vois, déjà, quand tu claques comme ça la carte, j'ai un ressenti sur ta carte. Vas-y. Perception extrasensorielle. Ouais, je me rappelle du mot. Encore. Attends. Encore. Ça, toi, toi. Quel était le nom de ta carte? 4 de cœur. Tu peux retourner? Tadam. Non. Ah. Ça marche. Bizarre quand c'est même. Joli, hein. Comment est-ce possible de retrouver une carte alors qu'on ne voit absolument rien? Joli. Voilà. Je sais pas ouais, si c'est t'as... ce que t'as lu. Ouais, bah, je l'ai lu comme ça. Bah, en fait, comme forcément les autres, c'était énormément de préparation. C'est pour ça que j'ai lu de façon à vous sortir un tour déjà de dedans simple à faire, mais que je puisse faire tout de suite sans me casser la tête à l'apprendre. Ouais. Donc ça reste ben, une méthode, alors bien sûr connue, mais peut-être qu'il y en a qui la connaissent pas. Ça c'est du facile. Oui, ça c'est du facile, mais bon, c'est. Voilà. S'il y a des trucs durs, vous ne les lisez pas, s'il y en a qui sont quand même intéressés. Donc du coup, voilà. Je voulais vous montrer ça parce que le principe est quand même, je ne sais pas si beaucoup utilisent ce principe-là, mais en tout cas ça fonctionne très très bien, parce qu'on se demande comment c'est possible. Bien. Voilà. Allez. Donc ça c'était un petit effet de dedans, très simple. Tiens, donne-moi le restant des cartes. Hop là. Alors bien sûr il n'y a pas de jeu truqué pour faire ça. Hein. Ça tu peux ou toujours pas? T'as dit qu'il faut deux personnes. Ben non, mais en fait, je vais pas faire du tout l'histoire. Mais on peut essayer de le faire. On peut essayer de le faire. Parce que depuis ce matin, il le lit. Cet après-midi, ouais, ça a été je trouve rapide. Ça excellent. Et j'ai dit, tu peux le faire. Tu l'as lu? Ah oui, tu l'as lu à 14h quand t'es arrivé. C'est... Il me dit, faut du monde, laisse-moi m'entraîner. Et... C'est vraiment très très bon, mais alors vraiment excellent. Michael Muret a sorti d'ailleurs dans ses petits formats là, tout ce qui est subliminal, l'autre je sais plus quoi, je me rappelle plus les petits bouquins. Comme non. Comme et ça, ouais, je vois. Subliminal et l'autre je sais plus ce que c'est. Bref. Et là donc un petit bouquin donc de Michael Muret qui s'appelle Réflexion. Donc c'est un livre, un tour. Et je vous avoue que c'est mais vraiment, 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 vraiment excellent. J'ai trouvé l'idée, même si pourtant c'est des choses qu'on connaît, mais le fait de le voir présenté comme ça, ça fait une routine. Donc là, en l'occurrence, c'est sur des cartes SP. Ça fait une routine qui est vraiment terrible. Je vous garantis, c'est vraiment terrible. Mais c'est vrai que c'est très, très bon quand on y met l'histoire qui va derrière. Là, bien évidemment, je ne vais pas vous faire l'histoire parce que je ne l'ai pas apprise. Même si je connais le contexte, donc ça serait dire des âneries. Mais si vraiment on suit à la lettre l'histoire, un petit peu comme les tours dits secrètes ou quand on fait vraiment l'histoire, le tour il est vraiment très très beau. Mais je vais quand même vous en faire la démonstration. Enfin, et encore, je ne sais même pas si c'est... Si, bon, je vais la faire quand même parce que c'est vraiment très très beau. Alors c'est fourni avec des petites cartes SP. Qui sont d'ailleurs les cartes du jeu Origine, non? C'est ESP Origine, ça, les cartes ouais. De mémoire. Donc, mais vertes. Voilà, donc c'est comme la couleur du livre. Alors, je sais pas s'il n'y a pas ça avec. À voir. Alors, de quoi? Soit, comme c'était dans le colis, soit il me les a mis parce que je les ai commandés. Ah, ça, c'est pas fourni soit avec ça. C'est fourni avec ça. Ah oui? Je sais pas. Comme j'ai, je crois pas. J'ai autant de livres que de jeux de cartes, ouais, hein, je me suis dit, je sais pas. Donc, à voir quand vous verrez la description s'il y a les jeux de cartes avec. Alors, moi, je suis pas sûr, hein, parce que ça, c'était fourni directement à l'intérieur avec les cartes SP. Je sais. Ça, c'était dans le colis et autant que de livres. Ok. Allez, donc l'idée est la suivante. Je vais quand même essayer de rentrer un petit peu dans l'histoire pour vous montrer comment on fait le tour. Bien sûr, on va s'adresser à un couple, puisque l'intérêt de cet effet, c'est de faire ça à un couple, le marié, un couple qui se connaît depuis un moment, bref, à deux personnes qui se connaissent depuis un moment, et on va vraiment rentrer dans des effets de mentalisme et des effets de coïncidence. On donne une première série à un spectateur, donc Thierry va faire entre guillemets les deux personnes, ok, dans... ouais, on s'en fout, c'est. Et on peut donc les données examiner. On a tout simplement deux symboles de cartes ESP. Donc là, après, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur les cartes ESP.
Et on demande de mélanger ça. Donc Thierry, tu vas faire en gros l'homme et la femme. Donc tu vas mélanger une série de cartes. Mmh. Et l'autre aussi. Une fois que tout ça s'est mélangé, je vais te demander de prendre n'importe quelle série de cartes ESP. Ça va. Voilà, donc alors, je te récupère celle-ci. Hop là, je récupère celle-ci. Et de venir placer un ordre en ligne comme ça, de face en bas, de façon à ce que personne ne voit les cartes. Une fois que ça s'est fait, alors, donc, normalement c'est la dame qui fait ça, d'accord. Maintenant vient l'homme, on demande à l'homme de prendre les cartes ici, qui restent, de les mélanger encore une fois, de te les mettre face vers toi, et de poser les cartes face en l'air, juste dessous des cartes qui ont été posées face en bas. Comme je veux. Ouais. Ça te va? Et maintenant, d'essayer mentalement d'imaginer quelle paire pourrait coïncider. Je sais pas. Allez, j'en choisis quoi? 2, 3, 4? Allez, c'est une. Une. Quelle paire pourrait coïncider? Celle-ci. Oui, avec celle-là. Coïncider. Donc on les autres. De là. Bah, je sais pas. Alors, vas-y, je te laisse approcher. Donc il faut imaginer que c'est un couple qui fait ça, hein. Donc nous on touche rien. Hop là. Donc j'ai préféré celle-là. Donc celle-ci. Oui. Ok, donc les autres on les élimine. Oui. Ok. On va vérifier. Mm-hmm. Premier test. Mm-hmm. Attention. Ça marche pas. Bah, ça serait quand même. T'imagines quand même la chance qu'il faut, une chance sur 121 de tomber pile poil sur la bonne combinaison. D'accord. Alors. Bah là de... non, une chance sur 5. Oui, une chance sur 5, mais bon, et puis ça, pas ça, enfin je veux dire, c'est. Enfin oui, là c'est une chance sur 5, tout à fait, de tomber sur la bonne combinaison. Bref, là ça a pas fonctionné. Mm-hmm. Mais parce que tu t'es pas concerté, la dame qui est en face de toi, d'accord, donc. Puisque normalement c'est censé être un couple, c'est que toi qui a fait l'action. Alors, on va le refaire, mais différemment. Tu vois. Je laisse tel quel, comme ça. Hop. Et on va peut-être essayer, mais de le faire les yeux dans les yeux. Alors, je sais que là, la caméra, ça serait complètement ridicule, puisque automatiquement, on pourrait dire que Thierry regarde le retour de la caméra. Mais en gros, c'est très simple. Tu vas prendre ce paquet-là, donc qui est toujours ton paquet, et puis la dame prend ce paquet qui est toujours son paquet. D'accord. Et sans regarder les cartes à jouer, je dis bien sans regarder les cartes à jouer, vous allez poser les cartes comme ça, une par une sur la table. Face en l'air. Comme elles sont, telles quelles, d'accord. Et quand vous avez envie de vous arrêter, vous vous arrêterez. Je dis bien, vous vous arrêterez. Donc vas-y, reprends ta carte. Et donc là, bon, là je le fais moi, mais vous avez compris que. Et puis en plus, vous vous arrêterez quand vous avez envie, d'accord ? Ensemble. Non, pas forcément synchro. D'accord. Tu peux toi t'arrêter à la première et la dame qui est en face s'arrêter à la troisième carte. Bref, peu importe. Et on fait ça, donc. Allez, donc. Donc là, on est censé se regarder dans les yeux et pas les cartes. Ouais, pas les cartes. Mais par exemple, donc là, tu peux fermer les yeux, alors. Tu peux fermer les yeux, mais donc pour. Je joue le jeu, je ferme les yeux. Voilà, mais pour l'effet quand même du spectateur qui va quand même se passer. Donc là, on va pas truquer la vidéo, mais tu vas me dire combien de cartes tu voulais poser. Moi, je vais en poser 3. 3 ? Donc, j'en pose 3. D'accord ? D'accord. Bon, comme ça, on fait la même chose. Donc, on les pose. 1, 2 et 3. Et ce qui est assez étonnant... Si j'avais dit 4... Et ce qui est assez étonnant... Là, ça me trouve le cul. C'est qu'on est... Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est exactement encore... Enfin, on est sur une coïncidence. Pourquoi ? Ben parce que là, effectivement, le couple s'est concerté. Il y a eu une relation entre les deux. Et on a pu faire une sacrée coïncidence. Bref, c'est déjà pas mal. Parce que c'est fort. Si j'avais dit 2, tu voilà. serais sorti comment mais non, mais c'est très fort, oui, on s'en fout. Je vais aller jusqu'à la fin de la routine. On pourra aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Alors, s'il reste des cartes en main, on peut même les retourner comme ça, face en bas. Parce que non, l'idéal, en fait, c'est de les faire retourner de façon à ce que quand le public, enfin, quand les spectateurs ouvrent les yeux,
ils ne voient pas les cartes en fait. Au moins comme ça, on est sûr qu'ils ont, ils ont pas des subtilités, des choses où ils pourraient voir où sont la position des cartes. Donc on va refaire l'expérience, mais avec un protocole de mélange qui est encore différent. Donc je vous garantis que j'avais pas dit trois. Je vais te demander de récupérer les cartes, ouais. Et puis moi je vais les récupérer. Alors bien évidemment, c'est pas moi qui vais faire le tour, mais tu vas le faire deux fois, d'accord? Parce que là on pourrait penser que je triche aussi. On va demander au couple de refaire la même expérience. Donc les yeux dans les yeux, d'accord, et de poser autant de cartes qu'ils veulent sur la table, et de s'arrêter quand ils veulent. Et le restant des cartes qui leur restent en main, s'il leur en reste, on les retournera encore une fois face en bas sur le paquet qu'il y a sur la table. Ok? Donc, vas-y, pose autant de cartes que tu as envie sur la table. Quand tu as envie, tu t'arrêtes là. 4. Et celle-ci, tu la retournes. La pose vers toi, parce que autrement on va confondre. Ouais, et puis tu vas faire la dame aussi. Donc la dame pose autant de cartes qu'elle a envie sur la table, tout simplement. 3. Trois, si tu veux. Et puis le reste qui reste dans les mains, c'est retourner. Cette procédure de mélange, on peut la refaire. Donc tu vas reprendre le paquet, reposer autant de fois de cartes sur la table, par exemple, voilà. Et la dame fait la même chose. Donc ça, en fait, le couple peut faire ça autant de fois qu'ils veulent. Et voilà, retourner. Et donc on voit bien forcément que... C'est complètement des mélanges à chaque fois aléatoires. Maintenant, on peut le faire 3 fois, 4 fois. Autant de fois que tu as envie. D'accord. Donc, imaginez le nombre de possibilités de mélange que tout ça va créer. Maintenant, ce qui est très simple, c'est que je vais te proposer, donc le magicien propose au couple, si un des deux veut refaire un mélange, enfin ce fameux protocole, est-ce que tu veux ou tu ne le veux pas? Non, c'est bon. On arrête là? Oui. Donc tout ça... On pourrait prendre ça, Exactement. Alors j'en fais 3. Ok. Hop. Ok. Ah bah tiens. Et c'est là où vient le petit miracle, c'est que quand on demande donc d'ouvrir les yeux, alors là c'est les cartes face en l'air, c'est peut-être un miracle. Elle aurait pu être comme ça, d'accord? Et là on n'aurait pas vu la symbolique. Et si j'avais laissé... Mais si t'avais laissé... T'aurais fait quoi? Ça aurait marché quand même. D'accord. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec tous les mélanges qu'ont fait les spectateurs, là on explique donc dans l'histoire que effectivement bon, c'était un couple amoureux, puis il y a eu un décès parce que la femme ne voulait plus de ce monsieur-là. Et le docteur Rein Joseph a entendu parler de cette histoire et justement pour éviter ça, il a fait des expériences justement en utilisant donc les symboles ESP pour détecter. Alors, je ne me rappelle plus exactement le terme, mais pourquoi un couple allait durer, pourquoi... Bref, donc vous avez compris l'idée. Et je pense, Thierry, que ce soir, ton couple va durer parce que vous avez fait exactement les mêmes choses, même si pourtant ça, le protocole avait été, semble complètement différent et que... Normalement, le couple a fait les choses différemment. Abrège. L'idéal, c'est quand même de le faire. Ce qui est assez étonnant, c'est que tu as mis le rond en face du rond. Les cartes qui sont à l'envers sont exactement les mêmes. La carte qui est ici sont exactement les mêmes. Et pourtant, en faisant des protocoles complètement différents, vous avez mis exactement les mêmes signes en face des autres. Et ça, c'est une chance sur 121 de faire pile poil la même chose. Joli. Et ça a marché. Donc vous avez compris que l'histoire, je ne l'ai pas, mais je voulais quand même vous montrer l'intérêt du tour. Alors j'avoue que de le faire comme ça, c'est peut-être vachement brouillon, mais il faut imaginer que tout ce que moi, là, j'ai fait, en fait, je ne touche rien. C'est le spectateur lui-même qui fait, donc autant l'homme que la femme, ils font ça les yeux fermés, et il va se créer des coïncidences qui vont être exceptionnelles. Ouais, tu peux regarder voilà, dans les yeux et poser les cartes. Jusqu'à un final qui va être donc tout le temps celui-ci, où les cartes vont coïncider tout le temps à la perfection. Donc c'est, moi je trouve l'effet mais spectaculaire. Voilà. Donc je sais que là peut-être forcément, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, il va pas être aussi beau que quand on le lit sur le livre parce que du coup on le lit donc on a l'histoire qui nous vient en tête et puis on s'imagine comment on va le faire. Donc c'est vrai que là c'était vraiment pas du tout le tour à faire à Thierry. Mais je voulais pas passer à côté. Non, et puis en plus, comme on a personne au magasin là qui est venu. Non, mais on voit le déroulement de la routine. Mais t'as vu, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Il y a, peu importe ce qui serait passé dans la routine, il y a aucune. Comment on appelle ça ? Équivoque. Ouais, il y a aucune équivoque et aucune.
je ne fais pas faire des choses en plus aux spectateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la routine est présentée, elle sera présentée de la même façon que vous le fassiez une fois ou 10 fois, ça sera toujours la même présentation. Et pourtant, eh ben, il va avoir ces fameuses coïncidences à la fin, peut-être même au début, qui fait que ça fait le charme de la routine. Donc, on est sur un principe très simple, hein, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. Mais c'est la façon dont ça a été tourné qui, pour moi, c'est une tuerie. Donc, bravo. Bravo encore, Michael Muret, d'avoir sorti ce tour de ce petit bouquin. Moi, je dis excellent. Bravo. Allez. Donc, vous aurez compris que j'aime bien les faits. Bien, bien, bien. On devait commencer par les cartes, on ne l'a pas fait. Ouais. On va le faire maintenant. Mais comme on a beaucoup parlé, du coup, on a enchaîné sur le tour. Ah oui. J'ai dit, on commence par les lignes. Ouais, je sais. Alors, on va faire les cartes. Voilà. Vous avez le néon. Le néon édition. Hop. C'est parce que ça voit nos têtes, ça n'arrive pas à faire le focus. Ah, voilà. Hop là. Avec, voilà, comme ça. Là, il n'y a pas de cils. Vous pouvez voir, je vais vous envoyer les photos des cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc, apparemment, ça réagit peut-être à la lumière noire. Ben, si c'est, ben, si sur les cartes, il y a vraiment cette couleur-là, oui. Moi, je pense que oui. Donc, le bicycle néon. Là, il y a toute une série de bicycles qui va arriver la semaine prochaine. Alors, ça, c'est le... Il y en a deux. Il y en a même un troisième. Alors, il m'en reste déjà plus que un. Chez Murphy, c'est déjà en rupture. C'est le Celtic. Celtic Myth. Il y en a trois en tout. Alors, moi, j'ai réussi à sauver ces deux-là. Il y en a un, c'est asymétrique, et l'autre, c'est symétrique, il me semble. Donc, celui-là, c'est peut-être le... Alors, je sais plus. Un des deux. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Celui-là, c'est le Culturlan. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes noms. Ah oui, c'est les mêmes noms. Donc, ça, c'est le dos. Et vous irez voir le titre, parce qu'il n'y a pas de titre, là. C'est exactement le même titre partout. Tout pareil. Non. Il est là ? Ah, voilà. Lui, il s'appelle... asymétrical, et lui il s'appelle symétrical. Donc celui-là, asymétrical, c'est celui-là. Donc ça veut dire qu'il est quoi, asymétrique ? Peut-être. Hop, le symétrical, c'est celui-là. Ah ben oui, l'asymétrique, oui. On voit bien le dos bleu et vert en haut. Donc effectivement, si la carte est comme ça... Le nom, voilà, il était là. Ok. Ils sont très chers, je crois que c'est dans les 25 euros. Et bon, c'est peut-être parce qu'ils sont rares. Est-ce qu'on l'avait présenté la dernière fois ? Non, le Guardian of Galaxy, non. Guardian of Galaxy, les gardiens de la galaxie, ah. Avec sûrement... ça sert à rien que tu les cites, tu les connais pas. Allez. Si, comment il s'appelle ? Allez. La Groot, là. Oui, d'accord, allez, vas-y. Je s'appelle Groot, voilà, ouais, c'est comme attends, ça je le remonte parce que là... On l'a pas vu ? Non, mais en fait, vas-y, cache la tête. Il dit, je s'appelle Groot. Pourquoi il fait pas le focus ? Un peu trop près. Ah, annulation du suivi, t'as annulé le suivi. Bon, voilà. Fais pas. Bref. Ouais, ici, il le ferme. Voilà. Ouais, mais bon, ça fait un peu loin. Bien. Eh ben, voilà pour les jeux de cartes. Et la semaine prochaine, il y en a peut-être encore 5 ou 6. On en a un autre, là, le truc aviateur. Ah oui, le... Oui. Il y a un beau jeu qui est sorti. Alors, j'en ai ouvert un. Alors, il n'est pas donné. Mais c'est le Lounge Edition. C'est le Jet Setter Lounge Edition. Donc c'est un peu épuré, un peu classe. On va le sortir. Avec. Donc il y a des modèles de jeux qui sont très chers et des modèles qui sont moins chers. Ça, je crois que les modèles standards, donc c'est à 17 euros, quelque chose comme ça. J'ai pris les modèles classiques. Non, ou 20. Je me rappelle plus. Mais au final, ça reste pas si cher que ça parce que c'est un jeu qui est en plus donc marqué. Donc du coup. Il est livré avec une carte double dos, donc ça c'est toujours bien. Avec une carte blanche. Le reste, eh ben, ça reste ça reste un jeu avec des piqueurs trèfle carreau, carte rouge, carte noire. Alors les rouges sont un petit peu... Non, mais voilà.
Les rouges sont un petit peu plus. Un peu comme les jeux. Bordeaux. Non. Les jeux stud. La carte, elle est un petit peu marron, là. Et après, bon, le reste, ça reste des cartes noires. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment épuré. C'est-à-dire, il n'y a quasiment rien sur le. Bon, ça, je l'étale. Sur la carte, il y a juste ça. Il n'y a pas beaucoup de design. Donc, avec les deux avions sur les côtés, sur le pic. Donc, c'est un jeu noir. Donc, ça reste très classe, très pur. Et en plus, il est marqué. Et en plus, il est marqué d'une façon, d'un codage vraiment classique comme un jeu Ultimate, ce qui fait que quand le spectateur va couper le jeu, enfin, ouais, même d'entrée, là, je peux dire que voilà, c'est 5 de cœur, 6 de cœur, 7 de cœur, voilà, il est dans l'ordre. Mais c'est extrêmement rapide, parce que comme le marquage est un marquage de base, du coup, c'est ultra simple. Ça, c'est le 7 Voilà. Donc là, si. 7 de cœur. Voilà, donc là, si je le prends comme ça, vous allez voir, c'est très très rapide. Hein. Donc 3 de pique, as de cœur, 2 de cœur, 9 de carreau, 8 de carreau, 7 de carreau, 6 de carreau, 5 de carreau, 4 de carreau. Et, sans déconner, je l'ai mélangé. As de trèfle, 2 de trèfle, 3 de trèfle, 4 de trèfle. Bon, je mélange, moi les cartes elles sont dans l'ordre. Voilà, donc ça va vraiment très très vite. Ah Hein. oui, d'accord. 7 de trèfle, 5 de trèfle, as de pique, 8 de trèfle, dame de trèfle, dame de pique, 9 de trèfle, roi de trèfle, roi de carreau. Donc vous avez vu la vitesse Donc il est où là. je les dégaine. Donc marquage classique, mais au final, quand même assez discret. On voit là? Je sais pas. On Oui, voit c'est peut-être, mais diamant bon voilà, foncé. mais ça reste discret et en même temps visible. Donc c'est ce qu'on demande à un jeu marqué. Donc rien à dire, franchement, très En bien. plus, ils sont agréables. Pour toucher, je sais pas si c'est le bicycle. Non, pas du bicycle, mais c'est des cartes tram. C'est ça ressemble étrangement à la Tram Bicycle. C'est pas peut-être exactement la même, mais ouais, c'est franchement c'est difficile à dire là. Alors, en fait. Pouah. Pas si on arrive à voir Alors, avec le reflet. c'est pas la même trame, mais alors on c'est vraiment, 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 on s'y rapproche. Hein. C'est pour Donc bon, changer de jeu si vous avez envie d'avoir un autre jeu. je veux dire, si vous Voilà manipulez des cartes, les figures. vous verrez pas la différence. Hein. Voilà, rien à dire. Bien. Donc ça, c'est le Lounge Edition Standard Back. Donc un beau petit jeu marqué. Finalement, Voilà. on n'a pas fini là. Non, non, on n'a pas Allez. fini, mais on parle beaucoup. Alors, je vous envoie la vidéo de ça, parce qu'il y a un client qui est venu tout à l'heure, ça s'appelle The Con. C'est vrai. Et c'est la même chose que... C'est un tour du rémé, du coup, vous voudrez bien vous entendre. C'est pour les têtes de con. C'est pour les têtes de con. C'est le même tour Gambler, que Gambler. voilà. D'ailleurs, Ils il le l'ont dit dedans. refait, ils l'ont refait avec des beaux jetons. Ouais, des beaux jetons typiques anciens. Donc des jetons avec des plutôt calligraphie fleurs, enfin dessin fleurs. C'est exactement la même routine, sauf que... Ben, sauf que c'est livré avec un petit portefeuille cuir avec les jetons. Il y a une belle carte à jouer aussi. Ouais, exactement, dedans. Pour la petite Il y a une belle carte à jouer. Je vous en dis pas voilà. plus. Il y a le jeton qu'on donne dans la main. C'est ça, le jeton de prédiction. Et non, mais il est où le C'est tour? vendu Parce avec que c'est vendu avec une boîte où on utilise directement C'est vendu avec la boîte, ouais, on le mais il met est où? dedans, En mais fait, t'as dû la laisser d'accord. En fait, là-bas. la boîte, elle est d'ailleurs, l'étiquette, elle est collée dessus, donc c'est vraiment une étiquette collée dessus, donc on se sert de ça. Et la boîte, elle est vieillie. Donc, on va vraiment se servir de la boîte pour entamer la routine, sortir, ouvrir cette petite boîte, puisque ça fait petite boîte, effectivement, d'un pistolet, d'un petit pistolet à petit calibre, donc 32 calibre, revolver, Hop là. 0.32. Et du coup, ben, on va sortir ça de dedans et monter la routine. Donc voilà, on met le portefeuille dedans et on peut parler avec cette boîte directement et on raconte une histoire qu'on a envie. Voilà. Exactement. On est sur un effet de mentalisme pur qui fonctionne, mais à la perfection. Vraiment, vraiment, vraiment à la perfection. C'est d'une simplicité déconcertante,
Moi, quand je me rappelle la tête du monsieur qui la tête qu'il a fait le monsieur, alors que pourtant il connaissait le truc. Ah, c'est très bien fait. Mais rien ne change à l'effet de Gambler, hein, enfin, je veux dire, le tour existe depuis des années. Hein, ça, c'est il y a rien de nouveau là-dedans. Ils l'ont ressorti comme ça. La pochette, les jetons. Exactement. Et l'histoire, c'est la même. Donc, je vous envoie la vidéo faite avec le monsieur en direct. Il n'y a pas eu de montage. Et c'est parti pour un tour. Allez, on en profite qu'à Laurent pour lui faire ses petits tours. Comme ça, ça évite que ce soit moi qui le fasse. Allez, hop. Allez, parce que tu sais le faire au moins. Non, mais tu me l'aurais fait. Oui. Donc voilà, on en profite. Allez, Laurent, j'ai à l'intérieur, je sais pas si t'entends. Ouais. Ouais, on entend quelque chose. Je vais te demander de tendre la main, s'il te plaît. Et très important, tu vas pas regarder. Parce que je vais te donner un petit jeton. Donc tu fermes la main. Et ce jeton, tu le mets dans ta poche. Très important. Voilà, au moins comme ça, on est sûr que tu connais rien de ce jeton, ni la taille, ni la couleur, et ainsi de suite. Donc tu peux ouvrir les yeux. Mais maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Vous ne voyez pas, mais il est là. Exactement. J'ai dans cette petite bourse, tu peux prendre comme ça, 4 petits jetons. Voilà, il n'y a pas rien d'autre à l'intérieur. Non, c'est bon. Super. Donc 4 jetons de couleur, des vieux jetons, hein. Des anciens jetons, tu peux les mettre là, au moins comme ça, quoi qu'on les voit, voilà. Donc il y a un genre de fleur un peu marron gris, un jeton plutôt bleu, un jeton lui plutôt rouge, hein, on dirait même une roue, et puis un jeton avec, alors c'est tous des fleurs, hein, mais blanc. Ce que je vais te demander maintenant, c'est très simple, tu vas prendre ces 4 jetons, je vais rien faire. Tout ce qui va se passer maintenant sera ton propre choix, très important. Donc tu prends ces 4 jetons et tu les mets à l'intérieur. Maintenant, tu peux fermer ou tu peux même tenir juste la pochette et tu vas mélanger comme ça. Tous les jetons, tu mélanges. Et par instinct, seulement l'instinct, je vais te demander d'ouvrir la petite pochette, de fermer les yeux, d'accord ? Oui. De prendre un seul jeton et de le poser sur la table. Donc il faut que ça soit par pur instinct. Est-ce que tu as le choix d'en prendre ? Pas de choix, oui. Ah oui, alors remets dedans. Est-ce que tu as le choix, effectivement, et tu as bien fait de dire ça Thierry, de pouvoir récupérer les 4 jetons ? Est-ce que si tu fais comme ça avec les mains dedans, tu as le choix vraiment de prendre le jeton que tu as envie. C'est oui. Très important, autrement on pourrait penser... Voilà. Il y a les 4, ouais. Donc, par instinct, tu en prends un et tu le poses sur la table. Maintenant, tu remélanges encore. Voilà. Et tu vas faire ça une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à la fin de tes jetons. Tu mélanges. Donc, il en reste plus que 2, comme tu peux le constater au niveau du toucher. Ouais, il n'y en a plus que 2. Voilà. Le troisième, et puis ben, là, t'as pas le choix, ça rien de le mélanger, il reste plus que le quatrième, et tu mets également à côté. Tu peux ouvrir les yeux, vas-y, mets-le là. Voilà, impeccable. Donc, t'imagines que je t'ai fait faire un protocole, on va dire, de choix de jetons, et que tu as été le seul maître du jeu. Je ne t'ai pas influencé, je ne t'ai pas récupéré la petite pochette pour te mettre des jetons l'un devant l'autre. Tu as fait ton propre codage. Jeton rouge, le premier, jeton bleu, le deuxième, jeton blanc, le troisième, et le quatrième, jeton gris-marron. Depuis le départ, tu avais également la prédiction dans tes mains. Parce que je ne sais pas si tu as vu, mais dans la petite pochette, ici, bon, il n'y avait rien, bien évidemment, mais il y avait une deuxième petite languette. Est-ce que tu peux prendre la petite carte qui est à l'intérieur? Alors, c'est une vieille carte. Attention, sur un as de cœur, voilà, est-ce que tu peux constater qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur? C'est très important, autrement il reconnaîtrait, donc tu peux tout examiner. Et sur cette carte, il est dit que, alors je ne sais pas si tu captes ce qu'il y a marqué, non. Mais que le troisième jeton, d'accord, sera le même, donc sera le match qu'il y a celui dans ta poche. Donc le troisième jeton, c'est si ton ordre, c'est toi qui l'as choisi. C'est le blanc. C'est le blanc. Est-ce que, s'il te plaît, Laurent, tu peux sortir le jeton depuis le départ que tu as dans ta poche? Et effectivement, bingo, on est sur le même jeton. Ah ah. Bizarre, ça. Hein, énorme. Énorme. Voilà, donc ça, c'était... Eh ben, on le dira tout à l'heure. On le dira tout à l'heure, parce que je ne me rappelle plus. C'est bien ou bien? C'est énorme. Voilà. Et on peut tout donner à examiner, bien évidemment, parce que tu as compris que le matériel était complètement ordinaire. Donc, un petit tour de mentalisme sympathique qui existe déjà depuis de nombreuses années.
mais ça a été refait avec ce type de jetons, ce type de cartes, ce type de boîtes, parce que tout est un ensemble, et l'idéal c'est de raconter bien sûr l'histoire qui va avec, là je l'ai fait courte, parce qu'on a plein de choses à faire, mais au moins on peut voir comment se passe le tour. L'avantage de cet effet-là, c'est qu'il n'y a quasiment, enfin, il y a même rien à apprendre et le magicien fait absolument rien du tout. C'est tout le spectateur qui fait et pourtant, tout va être juste à la fin. Génial, hein ? Fabuleux. Voilà. Donc voilà, vous avez vu la démo de The Coin. The Con. Ouais, parce que Coin, il y aurait eu The un con, i. Ouais, The Con. Donc c'est vraiment The Coin. The Con, ouais, c'est pour les têtes de con. Voilà. Non, c'est les spectateurs qui seront comme ça. Bien, qu'est-ce qu'on peut en... Alors, ça, on le fait... Allez, on fait ça. Tu peux me le faire ? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Effet, petit effet de mentalisme, très très simple. Mais alors, vraiment, vraiment très très simple. Hop. Attends, il faut que je sorte. Donc on a reculé la caméra parce que le but c'est de le faire sans table. Exactement. Donc on est debout, moi je suis debout et... Tout à fait, c'est beaucoup plus logique dans le déroulement. Allez. Donc imaginez, il n'y a pas de table et on est et, en et, on va, et on va pas s'en servir. Donc on arrive avec... on sort une petite enveloppe de notre poche. On sort également quelques petites cartes et on explique que ce sont des symboles tout simplement très simples à reconnaître. Le rond, la vague, l'étoile, le carré et une croix. On donne ça à... C'est du carton, moi, c'est du carton, ouais, avec un vinyle posé dessus. À mélanger au spectateur. Et de façon à ce que le spectateur lui-même ne connaisse pas le symbole, on va lui demander de mélanger les cartes face en bas. Alors bien sûr, je me retourne. Voilà. D'en prendre une. Donc de prendre une carte. Je fais au hasard, hein. Oui, tu fais au hasard. De toute manière, le choix est totalement libre. Hein. Donc, si tu veux même la regarder, tu peux la regarder. Et la mettre dans l'enveloppe. Donc, ça c'est important. Ça y est. C'est bon ? Ok, et je récupère tout ça. Les cartes, tu les ranges. Et je vais. Poche. Alors, ok. Voilà, parce que j'ai mon stylo. Attends, récupère l'enveloppe. Parce que, en vrai, voilà. Et ben, du coup, vous avez compris l'idée. C'est d'essayer de trouver. Ce qu'a mis Thierry. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas au travers. Oui. Si y a un trucage, c'est pas celui-là. Exactement. Et je me concentre. Donc là, vous avez compris que de toute manière. Tu fais semblant de réfléchir. Voilà, je fais semblant de réfléchir, mais je fais surtout sans. Je réfléchis surtout à comment dessiner... On peut voir le calepin de près ? À comment dessiner l'étoile. Okay, puisque je pense que tu as mis une étoile. C'est toi qui l'as dessinée. Ouais, c'est moi qui l'ai dessinée. Hein, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est fait avec un... Oh, je dessine mieux à l'envers. Voilà. Ah, toi, t'as pas vu ce que c'était ? Si, je l'ai montré à la caméra. Ah, c'est ça ou pas ? C'est exactement ça. Et c'est l'étoile, et boum, bien évidemment, on a dessiné l'étoile. Donc si Thierry n'avait pas vu ce qu'il avait mis dans l'enveloppe, c'est pareil, j'aurais trouvé... Ouais, on aurait pu faire le tour. Hasard, on le met, on regarde pas. Exactement. Donc c'est en condition debout, je trouve que c'est assez intéressant, puisque c'est vrai que pour les gens, on fait rien. Alors après, ça reste un tour qui est très simple à réaliser. Mais ça marche. T'en écrases pas les cartes, si tu les mets dans ta poche, tu vas les plier. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça reste vraiment très très simple. C'est les gens, je pense pas que des profanes trouvent comment ça fonctionne, puisqu'ils n'ont pas la connaissance de tous ces trucs là qu'on a en magie. Et puis là, pour eux, c'est vraiment très clean. C'est fermé dans l'enveloppe. Vous sortez votre stylo, eux gardent l'enveloppe. Enfin, font exactement ce que j'ai fait là, et pourtant vous arrivez à deviner sans poser aucune question. Alors après, bien évidemment, vous pouvez l'amener comme vous voulez à votre sauce, mais bon, voilà, ça reste très simple. Ah, c'est un pic, hein, comme tous les autres. C'est ça, c'est un pic, comme tous les autres. C'est une autre façon de faire au niveau du pic. Y en a plein qui font dans le même style, sauf que là, il y a les cartes, c'est une autre façon de présenter, puisqu'on les met dans l'enveloppe. C'est voilà. Ça. Mais voilà. Il marche comme ça, avec les cartes qu'il faut mettre dans l'enveloppe. C'est pas un truc, dessinez-moi... Non, c'est...
un cheval sur une feuille de papier et j'arrive à le deviner. C'est fait pas... que pour faire ça. C'est fait que pour deviner les symboles ESP. Mmh. Voilà. Enfin que, après vous pouvez récupérer le principe de dedans et faire des photos, faire des... peu importe, mais à la base c'est fait que pour ça. Oui, si vous voulez d'autres dessins, il suffit de coller dessus et ça marchera aussi. Exactement. Le Velleda n'est pas vendu avec. Non. Et ça s'appelle... Ben... Ça s'appelle Amazing Notebook. Voilà, il est déjà sur le site. Mmh. Bien, je range. Voilà, après c'est un loupable. Enfin c'est un loupable. Ouais, c'est... Ouais, Il suffit de lire. Ouais, il suffit de compter, fais gaffe. Il est dans la... Ouais, il suffit de compter, ça fonctionne tout seul. Hein. Mais bon, ça marche bien. C'est vrai quand on voit le matériel comme ça, bon, tout de suite, ça fait carton, ça fait... C'est vrai que le matériel, c'est pas... Hein, ouais, mais c'est fait voilà. Exprès. Mais oui, je pense que ça fait totalement naturel. Ça fait pas des gros calepins en cuir, machin, qui pourraient faire magie. Et puis bon, ça fonctionne très bien. Et voilà. Amazon Notebook. Alors ça, il existe depuis des années, celui-là. Ils l'ont ressorti plus fin. Oh ouais. Et ils ont sorti avec un tube en plus. Donc il y a deux tubes au lieu de un. Ouais, c'est bien. Je n'ai pas vu le prix. Gabi, hop là. Donc, c'est ce tour-là, où le tube est trop fin, le trou est trop fin pour que la bille puisse passer et descendre. Et pourtant, Jérôme, il va réussir à le faire descendre. Donc, celui-ci, c'est un ordinaire qu'on peut donner et examiner. Enfin, lui aussi, tu peux donner examiner. Oui, mais ils en ont donné deux. Oui, oui, oui. Genre, on peut l'examiner à la loupe et tout ça. Alors qu'avant, c'était le même tour, mais ils en donnaient, ils donnaient pas... on le donnait examiner, mais on n'en avait qu'un. Oui, c'est tout à fait. Bah, en fait, en gros, ça, on donnait examiner au début. Et si vraiment, oui, si vraiment on veut le donner examiner, le laisser limite dans une soirée à la maison et tout ça, pour que, comme tu dis, il examine à la loupe, bah, effectivement, vous avez le deuxième. Ouais, pour les cases bonbons. Exactement. Là, je connais, j'en ai eu un quand j'étais petit, il cherche, il regarde, c'est vrai que il fait ça. Tout à fait. Et ils vont se faire avoir. Mais en gros, donc, ben, on donne à examiner ça à un spectateur, donc forcément, il peut y aller quand même. Hein, il peut l'examiner, même celui qui est truqué. Enfin, en l'occurrence, celui que j'ai dans les mains, là, il est quand même bien fait. Après, je ne sais pas les autres, mais... Ouais, il est bien. Mais, on ne voit pas le trucage. Voilà. Une fois que tout ça est examiné, eh ben, on fait également examiner une petite bille. C'est très important, donc je vais mettre là. C'est bon, on voit bien. Ouais. Mais moi, au moins, comme ça, je me cale bien. Et on montre donc que ce tube est traversant. Donc on voit. Voilà. On voit à travers. La petite bille, on peut la faire donner examiner au spectateur. Donc tu peux appuyer dessus, tu peux machin. Elle est pas molle. Voilà. C'est pas quelque chose qui est mou. Voilà. Et cette bille, tu vas la poser en fait sur le tube tout simplement. Juste ici. Et donc là, on voit comme ça que la bille est posée sur le tube. Et regardez bien. Alors on peut montrer la bille sur tous les côtés. Il n'y a rien à cacher. Et pourtant, instantanément, hop, regardez bien la bille qu'elle va faire. Alors, je m'approche un petit peu. Je ne sais pas si je vais y arriver. Tout doucement. Elle rentre. On voit en fait la bille. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Qui rentre. Tout doucement. À l'intérieur, comme si la matière était en train en fait de fondre. Et on voit vraiment la bille qui rentre. Une fois que la bille elle rentre, eh bien, elle peut effectivement commencer à remonter toute seule. Et là, le spectateur peut lui-même même prendre la bille. Une fois que la bille elle est remontée, elle remonte de ce truc-là. Il la prend. Et de là, tout de suite, si on a envie pour examiner le tube de deux côtés, regarder à l'intérieur du trou, regarder s'il y a quelque chose, machin, tout ça, donner à examiner ça au spectateur. Et effectivement, lui pourra se rendre compte que même s'il appuie comme un fou furieux d'un côté ou de l'autre, la bille ne pourra jamais passer à l'intérieur car le trou du tube est toujours est beaucoup plus petit que le diamètre de la bille.
Voilà, donc ça, un effet très simple à faire. Mais bon. Pour ceux qui ont des objets en laiton. Voilà, pour ceux qui ont des objets en laiton, on a une c'est la petite nouveauté, enfin la nouveauté, une autre fabrication, on voulait vous la montrer. Surtout que l'autre, j'ai du mal à en avoir. Mmh. Donc l'autre, la bille était plus grosse. Ça fait le tube était plus gros, il y avait le tube était plus gros, exactement. Bon, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il va s'appeler, je ne sais pas comment. Super, alors ils ont rajouté super dessus. Super quoi? C'est un peu bizarre quoi, l'écriture. La super, super balle tube. Ouais, voilà, comme, là, comme avant. Ouais, exactement. Super balle tube. On est droit ou on n'est pas droit? Ouais. Ouais. Allez, on continue. Hop, c'est qui m'écrit. Alors. Tu veux faire quoi, celui-là? Topics? On y va. Topics, on l'attend depuis si tu veux. Un moment. Jérôme, il joue avec depuis un moment. Et c'est très, 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 très bon. Parce qu'on ne touche pas le téléphone du spectateur. Parce que le spectateur prend son propre téléphone, fait tout sur son téléphone. Et pourtant, on réalise un miracle. Exactement. Alors pour pas que vous puissiez le faire chez vous. Parce que il faut aller sur, c'est comme si je vous disais, aller sur Wikipédia. Une banque de données d'images, tout simplement. Au lieu de taper Wikipédia, vous allez taper autre chose. Vous allez y aller, c'est sur Internet, c'est en libre de droit. Donc vous pouvez voir, accéder au site. Mais si on vous donne le nom du site, vous allez tous y aller, même s'il n'y a rien à voir. Parce que c'est une banque d'images. Tout à fait. Mais comme on a beaucoup de passages, des gens qui vont taper tous en même temps, peut-être que vous allez bloquer le serveur. Donc. On ne préfère pas vous donner le nom du site, vous l'aurez quand vous aurez. Exactement. C'est... Mais c'est comme si on vous disait, allez sur Wikipédia, vous allez voir, il y a plein de trucs, vous tapez c'est, n'importe quoi. Il n'y a pas de secret là-dedans. Voilà, hein. Vous tapez chèvre, vous allez voir que des chèvres, si vous allez sur Google par exemple. Donc là, vous allez sur un site classique où il y a un nom, vous dites au spectateur, tiens, tapez ça, il le tape. Tout à fait. Il tape d'abord sur Google. Il va le voir apparaître sur Google, il clique dessus et il se trouve sur c'est une banque de données d'images. Donc c'est pour ça que je vais vous cacher le nom pour pas que vous allez voir. Donc ça servira à rien, ça va servir à exactement, juste à bloquer le serveur. Voilà, ça peut créer des problèmes et donc et c'est vrai qu'il a raison, Sébastien, de le cacher. Bref, je vais cacher. Allez, donc topic. Donc déjà, Sébastien, merci à toi de me l'avoir. Parce que du coup, c'est sûr et c'est très très bien son geste qu'il a eu. Parce que pour en parler d'un produit, j'aurais pu l'acheter, mais il a eu la gentillesse de me le donner. Donc j'ai pu le potasser bien. Donc même si j'ai pas tout vu pile poil à la perfection, je vais quand même pouvoir énormément en parler. Donc déjà, Sébastien, merci à toi. Donc voilà, je suis allé cacher ce qu'il faut. Jérôme, il me dit prends ton téléphone exactement. Et va sur Google et tape ce site-là. C'est une banque de données d'images. Donc le spectateur fait ça. Je va peux sur être téléphone. À l'autre bout de la planète, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans la même salle. Exactement. C'est-à-dire je n'ai accès à rien. Je ne vois absolument pas du tout son téléphone. Donc là, j'ai plein d'images. Donc je montre au spectateur. Enfin, je lui demande donc de regarder. Donc il y a plein d'images qui sont des images de base de l'accueil du site. Mais l'avantage de ce site, c'est qu'il va pouvoir vous montrer en fait des tas de photos, des tas d'images d'une catégorie qu'on souhaite. Par exemple, je sais pas moi, si tu tapes tableau, c'est un exemple, parce que la personne aime bien des tableaux de peintres et tout ça. Donc si on tape tableau. Plus de 4 millions d'images de haute qualité. Exactement. Donc tableau. Donc ça, c'est l'exemple. B-A-B-L-E-A-U. Et là, on montre au spectateur qu'en tapant par exemple une catégorie, eh bien, le site va lui montrer toutes les images de tableaux qu'il peut avoir. Donc, ça tableau peut être des tableaux de peintre, ça peut être des tableaux de bord, ça peut être des tableaux même d'école. Du moment qu'il y a le mot tableau dedans, les images. Le moteur de recherche va chercher en fonction du mot tableau. Bon, bref, ça c'était l'exemple, c'est pour dire qu'on peut chercher ce qu'on a envie. Un beau tableau, hein. Je vois avec le retour. Bref, maintenant je vais me retourner. Et je vais te demander, dans le moteur de recherche, de taper un thème, une catégorie qui te fait plaisir. Mais une catégorie que, mentalement,
tu pourrais même le dessiner, tu vois. Si par exemple tu tapes le mot pensée, je pense pas qu'il te sort des tableaux avec un mot pensée. Donc, d'accord. Tu vois, donc tu tapes ce que tu as envie. Allez. Moi je ne regarde pas, autrement il n'y a aucun intérêt. Parce qu'on pourrait penser que si je me tourne, je vois le retour de l'écran. Donc du coup, ça donc là j'ai plein d'images. Voilà. Et alors tu en as beaucoup. Tu peux slide-les comme ça, tu en as beaucoup. J'en ai beaucoup. Ouais. Beaucoup. Bon, super. Je sais pas si tu as vu, mais il y a une petite flèche rose à droite de l'écran. Oui. Si tu cliques dessus, tu as cliqué sur la flèche. Oui, je suis remonté. Voilà, tu es remonté tout en haut. Pourquoi je t'ai demandé de faire ça? Parce que du coup, si je te demande de slider l'image et après de revenir comme ça en arrière, on pourrait penser peut-être que moi, avec ton mouvement des doigts, je vois. Donc, tu comptes et tu en déduis. Ouais. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais te demander, c'est très simple. Tu vas slider l'écran et quand tu as une photo qui te plaît, tu t'arrêtes. Tu cliques pas dessus, je dis bien tu t'arrêtes. Donc tu la regardes. Donc forcément, elle sera dans un panel de photos. Donc tu en as une qui te plaît en tête? Oui. Ou t'en... Ok. Et tu l'imagines. C'est vrai qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu cliques pas dessus. Hein. Parce qu'on pourrait penser peut-être que... Voilà. Juste, tu as cette photo en tête. Il y a un truc, un cookies là. Refuser, accepter. Ah, bah, comme tu veux, c'est ton téléphone. Moi, je veux pas savoir. Voilà. Donc maintenant, tu vas essayer de regarder cette photo. Attends, mentalement. Elle est partie. Ah, alors, recherche-la. Décidément. Tu la recherches. Tu cliques pas dessus. Hein. Toujours très important. Et je vais te demander de te concentrer. Tu l'as? Oui. Ok. Et je vais te demander de te concentrer sur les couleurs primaires de la photo. Donc, alors, les couleurs primaires, même pas les couleurs primaires, je vais même te dire les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, forcément, il y a une couleur qui va être plus prédominante dans ta photo. Et c'est à ce moment-là que je vais te citer la couleur, que mentalement, dans ta tête, tu vas me dire, Jérôme, t'es sur la bonne voie. Ok? T'es prêt? Je dis mentalement, alors? Ah oui, mentalement. Hein. Si, par exemple, il y a beaucoup de rouge dans ta photo, me dis pas, oui, il y a beaucoup de rouge. C'est bon? Mm-hmm. Allez, c'est parti. Donc, le rouge, le vert, le bleu, le turquoise, le violet, le orange, le jaune. Bon, ça sert à rien que j'aille plus loin. Parce que je pense déjà avoir vu la couleur prédominante de ta photo. Je pense que tu es sur une couleur... Ben, en fait, qui est ni jaune, ni vert, en fait. C'est vraiment le mélange presque des deux couleurs. Je dirais beaucoup de marron clair. C'est exact? Si tu veux. Ah, tu veux pas me dire si c'est exact? Bon, c'est pas grave, je te confirme que je vois beaucoup de marron clair comme ça, avec un petit personnage sur le côté. Alors, je te fais une divination directe. Et d'ailleurs, ce petit personnage, j'arrive pas à savoir si c'est un petit personnage style bande dessinée, lutin ou un animal. Pense fort à ce que tu es en train de regarder. Pense fort au personnage que tu es en train de regarder. Ouais, c'est un petit animal. Et ce petit animal, je dirais même une grenouille. Une petite grenouille comme ça, qui, ben comme toi, qui part chaque année avec sa petite valise. Ouais, je vois ça. Je vois une petite grenouille qui est en train de tirer une petite valise. C'est exact? C'est d'accord, ça. Tu penses que j'ai une tête de grenouille, c'est ça? Ouais, mais c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Tu peux me montrer l'image que tu es en train de regarder? Joli. C'est fort. C'est vrai que tu aurais pu choisir celle-là. Alors, bien sûr, on pourra aller beaucoup plus loin. Et j'aimerais bien aller beaucoup plus loin. On pourra aller beaucoup plus loin. J'aimerais bien. On va se dire peut-être que j'ai su peut-être la recherche, tout ça. Donc, je vais me retourner, je vais te demander de retaper une autre recherche, n'importe laquelle, celle qui te fait plaisir. Donc, un autre thème, en fait, tout simplement. Et une fois que c'est fait, bah, tu me le dis. Je te laisse faire. C'est fait ou pas? Ça y est, je les ai. Ouais. Donc maintenant, j'espère que tu as plein de photos également. Ouais. Ouais. Donc tu vas défiler les photos. Et maintenant, tu vas en choisir une. Tu vas cliquer dessus. Et tu vas regarder le nombre de téléchargements ou le nombre de j'aime que cette photo comporte. Alors je te laisse choisir. Ouais. Ta photo. Je vois. Donc tu as su le nombre de j'aime et le nombre de... Mm-hmm. Ok. Concentre-toi sur ta photo. Les j'aime, ils sont là. Concentre-toi. Pardon. On voit pas Jérôme.
Alors c'est bizarre parce que j'arrive pas à voir, à me concentrer. T'es pas en train de te concentrer sur le nombre là, t'es en train de se concentrer sur le photographe. Ouais. En fait, c'est fou parce que j'ai le nom du photographe qui me vient en tête. Je vois la lettre, bah comme ton nom, comme ton, là, ta première lettre, ton nom de famille, M. C'est exact? Oui. Et je vois Mika, le photographe. Exact. C'est ça? Bravo. C'est ça? C'est ça. Tu veux qu'on fasse plus fort? Oui. Cherche une autre thématique. Parce que c'est vous, c'est sur cela, je ne suis pas arrivé à avoir le... Il y en a un qui m'appelle. Avoir le nombre de téléchargements. Je cherche un autre truc. Ouais, cherche une autre thématique, celle qui te fait plaisir. Et après, on arrêtera là, parce que vous avez compris que je peux faire ça autant de fois que j'ai envie. Et tu choisis une photo qui te... Je l'ai. Qui te plaît. Je fais quoi? Tu cliques dessus. Ah. Mais ce coup-ci, je veux voir... je veux que tu te concentres sur le nombre de vraiment de téléchargements de la photo. Ouais. Alors. Ouais. Tout à l'heure, le nom du photographe, je disais que c'était quoi, Mika? Mika B. Mika B. T'as le nombre de téléchargements là? Oui. De téléchargements. Ouais, le nombre de téléchargements. Projette-moi-le sur un écran. Ça y est. C'est un petit nombre. Pardon. Je vois un compte rond. En plus. Je vois un nombre de 700 téléchargements. Exact. C'est ça? Qui n'était pas le même que tout à l'heure. Oui, j'ai oublié de le dire. C'est justement pour dire à la vidéo qu'effectivement, il y a tellement de photos que forcément, c'est quelque chose qui est complètement aléatoire. Je vois 700 téléchargements. Concentre-toi sur le nombre de j'aime même. J'ai du mal à me concentrer, hein. Et oui, alors tu sais pourquoi? Je pense que cette photo a été téléchargée 308 fois. Exact. Et je comprends que tu as du mal à te concentrer. Parce que si j'avais ma femme qui faisait du vélo dans cette tenue, je pense que je ferais beaucoup plus de sport. Ah ouais, c'est parce que le vélo me plaît bien. C'est exact. C'est exact. Et ça donne envie de faire du vélo. Fais voir sur quoi que. Effectivement. Et on peut le refaire. Indéfiniment. Donc vous avez compris que voilà, je vais m'arrêter là. Mais maintenant, qu'est-ce que ça ouvre comme porte? Eh bien, ça ouvre des portes qui sont assez spectaculaires parce que, étant donné que grâce à ça, alors que vous ne touchez absolument rien, vous pouvez deviner une pensée d'une personne. Et surtout, vous pouvez faire des choses qui sont beaucoup plus poussées parce que le nombre de téléchargements que vous devinez, le nombre de likes que vous devinez, le nom du photographe que vous devenez, tout ça est entre guillemets géré par vous. Donc je vais essayer de rentrer dans les détails mais pas trop en dire. Ce qui fait que ça va vous permettre de pouvoir faire des prédictions qui sont assez poussées. Je ne sais pas si tu vas mettre la vidéo que j'ai faite avec Maxime, mais on pourrait très bien prendre quelque chose, un livre, un bouquin. Demander au spectateur de choisir une photo qui lui plaît, en fonction d'un livre qu'il a choisi, d'aller regarder à un nombre de pages un mot qui correspond par exemple à un nombre de téléchargements et puis un nombre de lignes qui correspond à un like par exemple. Il y a de fortes chances que j'ai juste. Pour la première fois, Maxime, t'imagines, t'as juste pensé à une photo. Bien sûr. Quelle photo, qu'est-ce que tu peux me décrire de ta photo? C'est une photo avec un tourne-disque et un vinyle. C'est exactement ce que j'avais pensé. Yes. Alors, imagine, parce que tu vas me dire, oui, mais attends, c'est déjà fort. Mais peut-être que, comme je sais que tu es musicien, peut-être que tu te dis, peut-être que j'ai tapé toutes les recherches inimaginables sur le site et que je savais exactement ce que tu allais faire. Mais rappelle-toi que depuis le départ, j'ai une prédiction alors ici. Alors là... D'accord? Donc, je vais te demander de prendre le téléphone oui. et de refaire une recherche sur un thème. Alors, quand je dis un thème, ça peut être musique, ça peut être voiture de sport, ça peut être acteur, ça peut être paysage, pays, ce que tu veux. Qui te passe par la tête. Bien sûr, tu me dis rien. Non, je te dis rien. Pour moi, aucun intérêt. Je te dis rien. Tu as ta recherche? Ouais, j'ai ma recherche. Tu as plein de photos, tu peux les défiler. Il y a plein de photos. Et quand il y a une qui te plaît, oui.
D'accord? Bah, tu cliques dessus. Et Ouais. tu. Et voilà, c'est bon? Ouais. Maintenant, alors je veux rien que tu me dises, parce Non. qu'autrement, il n'y a aucun intérêt. Non. D'accord? Ouais. T'as vu que tout à l'heure, je t'ai démontré que chaque photo avait des likes et des téléchargements. Absolument. Alors, si c'est pas le cas, tu changeras. Mais imagine, par exemple, que ta photo, elle a. Alors, si tu veux le marquer sur le papier, le nombre De like? de likes et de téléchargements. Voilà, au Ouais. moins comme ça, tu t'en rappelles. Je regarde pas. Ouais. Ouais, Je montre à la caméra. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, c'est au moins. J'ai mal écrit, mais. Ok? Donc, là, la question est la suivante. Donc, autrement, tu changeras. Je vois rien si je me retourne. Si tu vois rien. Voilà. Imagine, tu as pris une photo. Tu as vu tout à l'heure, on a pris une photo. En fait, tu as cliqué sur une photo. Il y avait 63 000 téléchargements. Absolument. Bon, on est d'accord avec moi que dans le dictionnaire, il n'y a pas 360 000 pages. Non. Est-ce que là, ta photo, c'est un nombre de. Ça peut correspondre à un nombre de pages? Le nombre de Le téléchargements que je te nombre laisse de faire. téléchargements, Ouais. oui. 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 Alors va à la page de ce téléchargement, en fait. Et juste à la page, hein, tu me dis pas. Hein. Donc en gros, tu as compris. Si en gros, tu avais D'accord, 100 donc téléchargements, tu iras à la 100e page. Oui, bien Si tu sûr. avais 850 téléchargements, tu irais à la page 850. Oui, c'est Ok? bon. Ouais. Maintenant, tu as vu que tu avais un nombre de likes. Oui. Alors, je te donne un exemple. Imagine ta photo, elle a été likée 363 fois. Oui. Ben, tu prendras le chiffre des centaines, donc le Ouais, 3. ouais. Si ta photo avait été likée 12 fois, tu irais chercher le premier mot. D'accord? Si ta photo a été likée, je sais pas moi, 93 fois, comme on prend toujours les dizaines et puis les centaines, tu irais chercher le 9e mot. Donc là, tu as compris ce que tu dois Ouais, chercher. Donc, tu as absolument. une page qui correspond à ton nombre de Ouais, téléchargements. ouais, ouais, Et ouais. tu vas regarder le mot qui correspond donc à la position de tes likes, entre guillemets. Et du coup, tu as un mot. Ouais. Je montre T'imagines à la que caméra. Ouais. tout ça, c'est impossible pour moi de le savoir. Absolument. Tu refermes tout ça. Ouais. Et c'est là où je veux en venir. Ah. T'imagines que depuis le départ. Parce que, attends, oui, on pourrait peut-être. Alors, tu te rappelles dans ce que c'est, hein? Oui. Ok? On pourrait peut-être penser qu'effectivement, je savais où tu allais cliquer, que c'était. Tu peux faire une autre recherche ou même cliquer sur une autre photo et voir Ah oui, qu'effectivement, tu n'as non. pas le même Ah nombre oui, de ça, je me. téléchargements, le même nombre de Oups. likes. Là, tu as compris qu'il n'y avait rien Je. truqué, on était sur un Bien site sûr. complètement ordinaire et que c'était pas moi qui l'avais influencé ou qui allait te pousser à faire quelque chose. Absolument, Ok? absolument. Tu peux poser ton téléphone. Oui. Pour la première fois, Oui. rappelle-toi, j'ai une petite prédiction. Quel était le nom sur lequel tu es tombé? Le mot? Ouais, le mot. Vernis. Vernis? Vernis. Vernis. Vernis, vernis? Du vernis. Quelque chose de vernis. Ah, d'accord. Quelque chose de vernis ou du C'est vernis? vernis-i au Ah. participe passé. Bah, j'ai dû me tromper alors. Parce qu'en fait, je pensais que c'était peinture. Ah non, c'était pas peinture. Ah. Bon, j'ai rien d'autre, hein. Ah non, Non. Ah, mais c'était. Ah, vernis, vernis. non, Oui, alors c'était pas peinture, pardon, parce que là, je te l'ai montré comme ça, mais c'était effectivement une bombe de vernis que j'avais en prédiction parce que je savais exactement que tu allais tomber dessus. Maintenant, essayons d'imaginer le truc plus fort. T'as effacé la photo? De sur quoi t'étais? Mais tu l'as en tête ou pas? Oui. Pense-y très fort. Oui. Pense-y très très fort. Est-ce que tu imagines si j'étais capable d'avoir prévu exactement encore une fois ce que tu allais faire à l'avance? Et je l'avais tellement prévu, Maxime, que depuis le départ, j'avais prévu. Depuis le départ, j'avais prévu une petite fraise que tu vas pouvoir manger, toi et moi. Le seul problème, Maxime, Oui. c'est qu'il y en avait trois. Oui. Et le troisième petit escargot qui devait la manger pourra pas la manger. Ah. Non, je t'en prie, Maxime. Tu peux manger la fraise. Je la mangeais, ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était. Alors là, bon, bien sûr, une petite variante avec la fraise. C'était une pure coïncidence.
mais c'était une démonstration, comme je les aime, de Topix. Donc, et tout ça, à la fin, va amener à ce que ben, nous, le mot, on l'avait prévu, ou alors on le devine. Tel mot, et toi, tu l'avais marqué ou tu le devines. Exactement. Ça permet de faire énormément de choses, parce que sans trop rentrer dans les détails, il y a des choses qu'on peut deviner, des choses qu'on peut forcer. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que le spectateur pense vraiment faire ce qu'il a envie, enfin, il fait ce qu'il a envie. Ben, moi, il l'a fait au téléphone, par téléphone, c'était... Mais... Ben, c'est, moi, c'est... je l'ai vécu ben, comme la, ça. La toute première fois, ouais, oui, ben, première c'est dévastateur. Ben, oui, parce je suis qu'on au dit, téléphone, c'est impossible. Il m'a dit, tiens, tu peux prendre ton téléphone, est-ce que tu peux taper ça, tu connais ce site? Donc, il me l'a amené bien. Je lui ai dit, non, tu te rends compte, toutes les images qu'on peut prendre pour faire nos jaquettes et tout. Je dis, oh, putain, super et tout. Il me dit, bah, fais ci, fais ça, bah, choisis-en une, mais tu touches pas. Et à la fin, il me dit, t'as choisi ça, putain, ça m'a tué. Ah non, mais c'est énorme. C'est par téléphone. C'est très puissant, parce que même si nous, en magie, on sait qu'on peut avoir des applications, on se connecte, machin et tout ça, mais c'est vrai que là, c'est quand même fort, parce qu'on ne fait rien sur le téléphone du spectateur. Et ça, il y a beaucoup d'applications où on doit rentrer des choses dans le téléphone du spectateur. Ou alors, ne serait-ce que de toucher le téléphone du spectateur pour lui injecter des choses. Là, en aucun cas, on ne fait ça. C'est-à-dire, la puissance de ce truc, c'est qu'on ne touche jamais le téléphone du spectateur. Alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait une connexion Internet, puisque le spectateur, il faut qu'il aille sur Internet, puisque c'est un site qui est tout simplement sur Google, donc il faut qu'il y ait une connexion Internet. Et vous aussi, il faut que vous ayez une connexion Internet. Maintenant, ça s'appelle Topix. Alors, quand il achète, il se passe quoi? Il y a un code? Alors, après je finirai. Donc, ben, quand vous achetez, alors, qu'est-ce que vous achetez? Ben, vous achetez, entre guillemets, une application, qui est une application qui se gratte. Pour ensuite avoir accès à quelque chose qui va vous permettre de pouvoir réaliser le tour. Tout est expliqué en français, puisque c'est Sébastien qui l'explique. Donc, alors je pense qu'il a dû faire déjà des rectifications, parce que moi, quand je l'ai eu, il y avait un site qui, en fait, il fallait en taper un autre. Mais bon, ça, c'était expliqué. Donc là, je pense qu'il a vraiment tout mis, qu'est-ce qu'il fallait faire. Au début, moi, j'ai eu peur, très peur, parce qu'à la base, moi, je ne suis pas du tout application. Il a eu la gentillesse de me le donner pour que j'en fasse sa promotion et le faire. Et encore une fois, Sébastien, je t'en remercie, je suis hyper content. Et en fait, pas du tout. Donc, moi qui n'étais pas du tout application, j'ai dit, oula, putain, quand il faut faire tout ce qu'il faut faire. Et en fait, pas du tout. Je me suis fait peur tout seul parce que voilà, j'avais pas la connaissance de tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment très, très simple. Moi, j'ai suivi étape par étape ce qu'il dit dedans et j'ai eu aucun souci. Ça reste d'une simplicité déconcertante. Une fois qu'on l'a, c'est automatique. T'as pas trouvé des idées en plus à un moment donné? Alors, les idées en plus, il y a je crois qu'il parle dedans de forum ou Michael Muret, d'ailleurs. Je veux pas dire des bêtises. Bref, où il y a plein d'idées, pour l'instant, j'y suis pas allé. Puisque c'est un groupe privé, mais il m'a donné ces fameuses idées, c'est pour ça que j'ai fait le truc avec le livre, avec la bouteille de vernis et tout ça, parce qu'en fait on peut partir mais sur n'importe quoi. Imaginez, vous voulez forcer le mot bouteille, parce que dans votre spectacle vous voulez forcer le mot bouteille, ben vous pouvez pas, via Topix, aller faire aller le spectateur sur n'importe quoi comme photo machin, et ensuite le rapporter au mot bouteille. Voilà, moi je l'avais fait rapporter au mot vernis, voilà, parce qu'il va à cette page-là aller chercher le mot. Enfin bon, il y a plein d'idées comme ça que vous allez si j'arrive à cacher le téléphone, si je mettrai les vidéos. Que vous allez pouvoir faire qui sont vraiment exceptionnelles. Donc il y a rien à dire. Donc oui, donc je disais, c'est en français. Donc forcément, c'est très simple à suivre. Il y a une version dedans qui est une version ce qu'on appelle propless, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, entre guillemets, de votre trucage à vous. C'est-à-dire, même si moi, je n'ai pas mon gimmick avec moi, qui est votre téléphone, là, on ne va pas le cacher, hein, de tout le monde, c'est ça, je peux quand même faire l'effet avec le téléphone du spectateur. Alors, bien sûr qu'il va être forcément différent, bien évidemment, mais qui ne va pas utiliser la
le trucage du téléphone proprement dit. Et donc, qui est un effet très simple. Hein, on peut le faire d'ailleurs. Tiens, va sur ton téléphone. Donc moi, j'utilise pas du tout mon téléphone. Vous avez vu que là, j'étais tourné. Mm-hmm. Mais là, je vais le faire directement sur le téléphone du spectateur. De quoi ? Je mets avec eux. Ouais. Alors moi, je vais devoir quand même là regarder. Je sais plus beaucoup de regarder ce que tu fais, mais c'est pas grave. Donc on demande à aller donc au spectateur. Donc ça, c'est la version vraiment impromptue. Hein. Vous n'avez pas votre téléphone sur vous. Il est resté dans la voiture et vous voulez faire un effet quand même comme ça. Eh ben c'est possible. Donc on lui demande. Ah ouais, t'as plus de batterie parce qu'il est en noir. Donc on lui demande d'aller sur ce fameux site. Où je prends le mien, c'est pareil. Hein. Mais bon, de toute manière. Ouais, mais le mien, il est caché. Ouais, il est caché, au moins c'est fait. Ouais, donc vas-y, parce que là je vois que dalle, donc même dans le truc. Parce que c'est difficile de parler d'une application et de pas trop montrer quand même les choses. Ah, ça charge pas. Ah si, ça y est, voilà. Mais pourquoi ton écran, il est bien foncé ton écran. Mais c'est parce que j'ai plus de batterie. Ah ben non, mais là du moment que tu l'as. Alors. Ah voilà. Allez. Donc, allez, je cache. Donc du coup, le spectateur, on va sur ce site, on lui demande de taper ce qu'il a envie comme recherche. Donc voilà, il n'y a rien à cacher, hein, je peux le savoir. Donc vas-y, dis-moi une recherche que tu as envie. Vélo. L-O, on tape vélo, et puis donc on a des multitudes de vélos comme on peut voir. Donc il y en a, je suis allé un peu trop loin, il y en a des centaines et des centaines et des centaines, voire même des milliers. On demande au spectateur, donc là vas-y, je touche pas moi l'écran, autrement il n'y a aucun intérêt. Je me retourne, hein, donc je regarde rien. Je me mets là, regardez, hop, voilà, de slider donc l'écran. Et de regarder une photo qui lui plaît et de cliquer dessus, tout simplement pour voir le nombre de téléchargements, le nombre de j'aime. Et d'essayer de se rappeler tout ça. Oui. C'est fait ? Je clique sur une photo. Ouais, tu la regardes. Je me cache les yeux, hein, c'est pour montrer que je n'utilise pas mon téléphone. Mm-hmm. C'est bon, donc tu l'as en tête. Oui. Tu t'arrives à te rappeler de l'image ? Oui. À voir le nombre de téléchargements, le nombre de likes, mais surtout l'image. Ok ? C'est bon ? Et maintenant, on revient tout en haut, puisque autrement, si tu restes sur l'image, on pourrait dire que. Ben que forcément j'ai une chance sur 6 ou sur 8, tu reviens tout en haut. Oui, oui. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, ben on va tout simplement partir sur le principe, par exemple, de souvent de mentalisme, où on dit que quand on voit quelque chose, souvent l'être humain, oh, ça sert à rien de me le montrer, je vais me tourner. Ah. Bon, ouais, ça sert à rien. Que l'être humain, au moment où on lui montre quelque chose qu'il connaît, a une petite différence au niveau du regard, tout ça. Donc je vais te demander, Thierry, de rester le plus poker face possible. Mm-hmm. D'accord ? Et je vais tout simplement te défiler les photos. Au bout d'un moment, tu vas voir arriver ta photo. Donc surtout, tu me dis absolument rien, autrement il n'y a aucun intérêt. Mais dans ta tête, au moment où j'arrive vers ta photo, tu me diras, Jérôme, stop, ma photo est ici. Dans ma tête. Dans ta tête, d'accord ? Donc je vais te les défiler comme ça. Tout doucement, alors j'espère que t'es pas allé tout en bas, d'accord, autrement ça serait très long pour moi. T'es pas allé tout en bas, j'espère. Si. Parce que autrement on va... je te réponds pas. Ah, non mais autrement on va en défiler pendant des heures et des heures là. Je te réponds pas, hein. Parce que si on en défile beaucoup. Tu me dis quand même si ta photo est passée. Elle est passée ? Non. Ouais, donc c'est bien ce que je dis. Donc t'es allé quasiment tout en bas des comment on appelle ça ? Des photos. Bref. Mais concentre-toi sur l'image de ta photo. Concentre-toi. Elle est passée ou pas ? Oui ? Oui. Elle est passée ? Alors, un peu plus avant. Ouais. Attends, je sens quelque chose. Je pense que ta photo est par là. Je dirais que tu as choisi cette photo. Oui. C'est exact ?
Là, je croyais que tu allais regarder des chiffres et des numéros ici. Non, non, pas du tout. Et là, je sais pas du tout comment tu as fait. Et donc ça, ben, du coup, c'est la version, entre guillemets, vous avez compris, donc ben, impromptu. Light. Light, ben, qu'on peut faire si on a envie. Et voilà. J'ai compris comment tu as fait. Eh ben, tant mieux. Ben oui, parce que ça, tu connais pas celle-là de méthode sur cette version. Donc, bien évidemment, si ça, c'est beaucoup plus simple que les autres, c'est moins fort. Mais ça existe, elle est dedans, et donc du coup, on peut la faire. Bien. Donc voilà, ah oui, non, non, et je finirai quand même, parce qu'il y a une version, alors ça, pour l'instant, je l'ai pas fait, parce que je suis pas, ben, j'ai pas eu l'occasion de le faire, en plus, je me rappelle plus de la méthode, donc je sais, normalement, d'ailleurs, il faut que je le rappelle pour qu'il m'explique, mais on peut faire ça sur deux téléphones, c'est-à-dire, imaginez, vous prenez le téléphone d'un spectateur, d'un autre. On va tous les deux. Chacun prend son téléphone. Chacun prend son téléphone. Et si, à bout d'un moment, nous, on prend le téléphone du spectateur. On fait une prédiction sur notre téléphone. Et on le pose. Alors, tu es en train de me dire, je prends le téléphone du spectateur et on fait une prédiction sur notre téléphone. Sur le téléphone du spectateur. Imagine, alors, toi, t'as ton téléphone. Prends le téléphone d'un spectateur. Voilà, moi, je prends le téléphone de ta femme. Donc, on est sur le. Vous êtes sur le même site, ouais. D'accord. Je prends par exemple son téléphone, je fais une prédiction d'une recherche, d'une photo, et je le pose. D'accord. Toi, tu vas faire la même chose avec ton téléphone. Je choisis une photo. Tu choisis une photo, et il va s'avérer qu'on a choisi exactement les mêmes photos. Il y a un autre paramètre aussi qui va permettre d'avoir un coup d'avance sur un truc, mais ça, pour l'instant, j'en parle pas plus parce que je suis pas sûr de ce qu'il m'a dit Sébastien. Mais bref. Vous avez les 90% des explications là que vous allez pouvoir faire avec Topix. Quoi dire de plus que ça fonctionne à la perfection. On a beaucoup de temps à faire encore. Ouais, je sais, alors qu'il est déjà 7h30, donc ça va être dur. Allez. Et merci Sébastien encore pour ça. Et en plus, ça reste une application, franchement, qui est vraiment pas chère pour ce que c'est. Ouais. Beaucoup d'applications qui dépassent les 70, 80 et 100 euros maintenant. Alors que là, ça reste quand même une application. Si vous n'avez pas d'application, qui est vraiment pas cher. Donc bravo. En par celle-là, c'est vraiment sympa. Topix, c'est pas parce que. Moi, ce qui m'a plu, c'est que tu touches pas. Et oui, c'est ça qui est fort. Tu peux le faire à l'autre bout du monde. Voilà, ce qui est très très fort. Et c'est, je trouve le gros point de cet effet, c'est qu'en aucun cas on touche le téléphone. Donc je redis les points essentiels. Et que la personne sur l'effet principal, elle ne clique pas sur la photo. Et ça, même pour des gens qui connaissent un petit peu des choses en magie, le fait de cliquer, peut-être ça pourrait envoyer une information. Mais là, non. Là, vous ne cliquez sur rien, alors que pourtant, on arrive à savoir sur quelle photo a choisi le spectateur. Donc, c'est vraiment fabuleux. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une petite démonstration, une petite explication, plus ou moins, de Topix. Allez, super. On fait ça? Ouais, alors... putain, quelle heure? Putain, ouais, 22h... attends, je crois qu'il faut que je prévienne... Il faut que je prévienne... On coupe une seconde. Allez, on coupe une seconde. Allez, on va faire un petit tour qu'au début, j'y croyais pas trop, parce que c'est pour ça que je l'avais pas pris. Un client l'a voulu, je l'ai commandé. Un verre. Je lui ai commandé. Juicy News. Et finalement, au final... Ah ben, c'est très beau. C'est pour de la scène dans une routine, c'est vraiment très spectaculaire pour les gens. J'avais peur qu'on puisse pas montrer la bouteille de tous les côtés, et finalement, oui. Je m'éloigne un peu, donc du coup, je vais aller chercher un verre. Donc, on arrive avec une brique de jus d'orange. Donc, on est vraiment ultra, ultra clean. Ah, il y a un petit peu de quelque chose à l'intérieur, non? Je crois qu'elle est un peu vide. Ah ouais, c'est pour ça. Elle était vide, elle me paraissait légère. Bref, le petit effet de convincteur. Vous pouvez mettre du jus d'orange dans l'eau de truc. Ah, il en reste. Exactement, on renverse. Voilà, donc tout ça, donc, c'est montré de tous les côtés parce qu'on peut, se le permettre. Donc on est ultra clean, même de près, c'est très très joli. C'est très bien fait. Voilà, ben, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Oui, c'est une brique, donc c'est sûr que de manière, ça ne change rien de plus. Et de là, on va transformer cette brique en journal. Et voilà. Tac, tac, tac. On lit notre journal. On est clean. Alors là, c'est vrai que j'ai pas mis le.
casse-moi ce pli-là pour pouvoir le refermer. Il n'a pas bien fait les plis. Je l'ai pas bien fait les plis. Et puis après, une fois qu'on a ce journal, on va pouvoir le montrer. Et ce journal, vous en faites ce que vous voulez. Alors bien sûr, vous n'allez peut-être pas le poser sur la table, forcément. Mais vous allez le ranger ailleurs pour le besoin de votre routine. Bien. Alors c'est un journal qui est en... Comme du Tyvek. Alors non, c'est pas du Tyvek quand même, mais c'est du papier un petit peu... Assez épais. Il faut faire les plis quand même, autrement, voilà. Ouais, du papier assez épais. Et le système au niveau du... de la tenue du journal au niveau du tour, du tirage, de façon à ce que ça se découpe pas, c'est tout en plastique, donc vous pouvez pas déchirer, ceux qui font le journal déchiré, souvent on tire comme ça et en fait on arrache les morceaux, là c'est pas possible parce que tout est bien conçu. Il faut bien le plier au début comme ça à la fin. Oui, ben oui, parce que voilà, après c'est... ouais, autrement on n'arrive pas à le plier, c'est bien de finir de l'ouvrir, de le plier, d'avoir une position en fait qui est naturelle, puisque là pour les gens c'est impossible de cacher une brique de lait qui avait un format de vraie brique de lait dans une feuille de journal, donc il n'y a rien à dire, franchement c'est très très bien, c'est du tour magique. Et le reset, je sais pas si vous m'entendez, mais vous allez voir que le reset 1, 2, 3, voilà, ça va ultra vite, tac tac tac, je reviens, je replie mon journal. Et ça y est, j'ai de nouveau ma brique de jus d'orange qui est refaite. Bien. Voilà. Je te mets pas de musique ? Non. Alors ça, c'est vraiment, je pense que c'est un indispensable. C'est l'incontournable là de... C'est devenu l'incontournable... De cette année, oui. Ouais, c'est... Je pense que ça, c'est un tour qu'il faudrait qu'il reste à vie sur les catalogues. Exactement. Parce que vous... Pour un papa de famille à la maison, pour quelqu'un qui bosse, pour n'importe qui, même pour, il y a une dame, elle est venue pour travailler à l'hôpital, vous arrivez avec ça, et lui, il dialogue avec le gamin qui est un peu malade, ça peut faire plein de choses, c'est rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Vous allez faire le tour du foulard qui disparaît, classique, mais c'est plus vous qui le faites, c'est lui. C'est ça, c'est la petite marionnette. Alors je remonte les manches parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment ultra clean. Alors c'est sûr que c'est bien de le faire en musique, mais c'est pour vous montrer vraiment comment on l'amène en direct. Donc on arrive avec ces deux petits gants, vous avez votre petite foulard qui peut être en poche, bref, peu importe. Et on va mettre une petite la main dans un gant, et puis l'autre on va former quelque chose d'assez rigolo, une petite marionnette. Je m'approche. Et pour fabriquer cette petite marionnette, rien que plus simple... fabriquer cette petite marionnette. Hop là. Voilà. Allez, on est bon. Alors laissez-moi le temps de fabriquer cette petite marionnette. Je t'ai pas vu faire. Eh ouais. Je vais être obligé d'en prendre un pour entraîner ce week-end. T'as eu le temps de regarder ? Ouais. Hop. Et une fois que la petite marionnette, on va bien lui faire ça. Voilà. Hop là. Elle est tombée. La brique de lait est tombée. Chose. Il manque les ailes. Ah bah oui. Les petits yeux, quand même. Et là, tout de suite... Ah, j'ai pas fait le petit bonnet. Alors, j'aurais pu faire le petit bonnet. Voilà. Alors, je vais vite, parce que j'ai pas trop le temps. Mais là, du coup... Ah, on a notre petite marionnette. Il dit bonjour. Ah ben... Coucou les enfants. Ouais. Vous avez compris que moi, je fais pas les enfants, hein. Bref. Mais du coup, une fois que tout ça s'est fait... ça que j'ai pas mis. Voilà, petite écharpe. Et bien maintenant, on va se proposer de faire disparaître un petit foulard. Alors, du coup, il va le faire lui. Il prend ce petit foulard. Hop, il pose juste dans la main. Et tout ça
le petit bonhomme va mettre tout ça à l'intérieur du poing de ma main. Hop. Je vais me mettre en face. Ah non, tu peux vraiment te mettre très près parce que c'est complètement invisible. Je vais voir de près. Et il met tout ça à l'intérieur. Avec ses petites mains, il rentre tout ça à l'intérieur, complètement. Une fois que tout ça est rentré à l'intérieur, il cache tout. Toc. Avec son petit doigt. Et attention. Magie. Tout disparaît. Ça ne comprend rien. Hein. C'est beau. Et bien sûr, pour voir tout ça apparaître, magie. Et on le peut refaire revenir. Une fois que tout ça est revenu, il peut le refaire entièrement disparaître. Une fois que tout ça est entièrement disparu, hop, juste un petit peu comme ça. Voilà. 1, 2, 3, magie. Tout disparaît. Mais une fois que tout a disparu, bien évidemment, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va enlever les yeux de la petite marionnette, s'apercevoir que la marionnette n'était qu'en fait qu'une illusion, retirer le gant et faire disparaître le personnage. Voilà une petite démo vite fait du Mr. Glove. C'est... on peut rien dire. C'est visuellement déjà c'est très fort. Je parle niveau subtilité du trucage parce que c'est on ne bien. Voit absolument rien. Non, c'est bon, moi je me suis mis en face. Voilà, on ne voit absolument rien. Bon là, j'ai laissé un petit doigt là qui pendait là, c'est parce que je l'ai mal mis dans le bonnet. Mais bon voilà, on voit que dalle. C'est très fort et c'est vrai que là du coup, on a vraiment l'impression que c'est lui qui fait le tour, ben, comme d'une manière comme une marionnette, comme un rien à dire. Un incontournable. Comme un ventriloque, ouais. En fait, on écoute la marionnette, le magicien qui est à côté, enfin le ventriloque qui est à côté, il disparaît totalement. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe avec cet effet. On a vraiment l'impression que c'est la marionnette, le gant c'est qu'on a façonné, qui fait le tour, et c'est très puissant. Et en plus que c'est très puissant, c'est le fait qu'on ait un gant rouge, qu'on fasse disparaître un foulard jaune. Alors un foulard jaune, il n'est pas fourni avec. Hein. Ils auraient pu le mettre, mais il n'est pas fourni. Ben c'est très fort parce qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est la marionnette juste avec ses petits doigts, ça fait disparaître quelque chose, on n'a rien dans les mains et ainsi de suite. À la fin on est ultra clean parce qu'on retourne les gants pour montrer qu'il n'y a rien et que tout le personnage disparaît. Moi je dis bravo, franchement je dis bravo parce que c'est vraiment excellent. Je vous enverrai la vidéo pour que vous puissiez voir, même si vous l'avez déjà vu, pour comprendre tout ce qu'il a dit Jérôme, mais ça c'est bien. Non, c'est... Le problème c'est que à chaque fois ça tombe en rupture, là il nous en reste un peu. La première fois c'est parti vite en rupture, après c'est revenu mais avec un petit temps d'arrêt. Et là, dès que j'en ai plus, j'espère qu'il y en aura d'avance qui vont revenir, c'est... donc le temps de les refabriquer je pense. Mais voilà. Pour ceux qui se posent la question, les gants, est-ce que c'est du taille standard ou pas standard? Alors oui, c'est du taille standard. Quand moi je les ai sortis comme ça, je me dis oh putain. Ça va être petit. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. C'est dans le sud. Non, au contraire, ça s'agrandit. En fait, pas du tout, parce que c'est de la laine. Et quand je dis que ça s'agrandit, c'est que ça s'agrandit énormément. Et en fait, ben, franchement, à part que vous ayez des mains de fou furieux, et puis même si dans tous les cas, on arrive au bout, on n'arrive pas au bout, parce qu'on a les mains plus petites ou plus grandes, en fait, on s'en fout. Parce que non, mais même, on s'en fout en fait de la manière dont on est dans le gant. Parce que ça ne changera rien autour. Mais effectivement, le gant, comme il est en laine, ben en fait, il est tellement extensible qu'il s'adapte à la perfection à votre main. Et voilà. Donc, c'est... Tout à fait. C'est très magique. Donc, les gants sont fournis, le trucage est fourni, le foulard jaune n'est pas fourni, les petits yeux comme ça, qui sont faits en impression 3D, c'est fourni. Donc là, quand même, faites attention. Parce que ça, c'est costaud. La petite barre au milieu, c'est assez fin. Alors même si le PLA, c'est quand même très costaud, mais quand même, faites attention à ça. Si vous cassez de la glue, voilà. ça tient bien. Ah oui, bah, ça ressoude même le truc. Donc c'est... Et moi, j'avoue que le plus compliqué dans cette routine, c'est faire le petit bonhomme. Donc ça, travaillez-le un petit peu. Moi, je l'ai un petit peu travaillé pendant 10 minutes, là, pour, on va dire, être à l'aise, pour pas que le petit bonhomme, il saute, parce que des fois, il peut se défaire quand vous le faites mal.
Là, bon, question de temps, parce que déjà je suis à la bourre, j'ai pas fait le petit bonnet, mais on peut faire bien la collerette. C'est. Franchement, c'est beau. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Donc il y a le prix quand même, hein, parce que c'est pas donné. Ouais, mais Voilà, c'est pas donné. Hein, quand on dit, on va dire, une paire de yeux, une paire de gants, comme on dit, il aurait pu rajouter le foulard, mais vous j'avoue. faites ça à un adulte, Ouais. Ah tout non, va mais bien, vous faites ça à un enfant, c'est encore mieux. c'est fabuleux. Je comprends qu'en fait, que les gens se sont jetés dessus, parce que moi, je ne l'avais pas fait. Et c'est vrai que c'est pas du tout mon style de magie. Et quand je me suis entraîné et que je l'ai fait, en fait, on a tendance à le regarder, le truc, et à vouloir le faire vivre, parce que c'est vraiment, vraiment très beau. Moi, je vais le faire à mon fils, ce week-end. Ouais. Bien. Donc, on a deux autres tours, on voilà. n'aura pas le temps de les faire. Désolé Olivier Dequin, mais on peut vous en parler rapidement. Ça, c'est la version jumbo de Motamo Oui. qu'on nous a réclamé, on nous a réclamé, on n'avait pas eu. À savoir que comme le vend Olivier, c'est vraiment très très bien. À Vous chaque fois, avez c'est très bien la fait, ouais. petite bourse, Là, il a eu la... les cartes, elles sont très belles, version jumbo. Ben c'est la version qu'il nous avait faite quand il était venu au magasin, qui nous avait présenté ça à nous tous à la réunion, donc forcément il les avait en jumbo. Carte toujours de bonne Voilà. qualité. Donc Et vous allez donc, le voir apparaître sur le site. oui, puis de manière ça change rien de la version d'avant, sauf que ça y est, maintenant on l'a en jumbo, donc du coup, ben, c'est nickel. Regardez-le, la vidéo qu'on a déjà tournée, c'est ça. Allez. Et ensuite. Vous voulez vous faire le tour, mais on n'a plus le temps. Ouais, là, on J'ai n'a envie de plus le temps. partir. On le fera la prochaine fois. Ça, c'est la version De casino. de casino. Mais au lieu d'avoir des cartes que vous mettez sur la table et que vous jouez aussi avec les cartes pour les prédictions, vous le faites avec. Ah, oui, et puis c'est au lieu. Dans la version de casino, les petites cartes qui fournit Olivier dans la version, on va dire, physique, c'est ces cartes de casino qui est là. Le MGM, le Vénitien, le César Palace, qui sont des petites cartes que vous posez sur un tapis. Donc vous avez votre Il a fait faire, application. alors attends, il a fait faire en tapis, justement, pour que ben, directement vous arrivez avec ça. Et l'application
donc qui ne sont plus des cartes, mais maintenant du digital, peut se faire... soit avec le téléphone, là je vous ai fait ça pour que vous voyez mieux. Mais imaginez, vous avez déjà posé vos billets et votre argent là-dessus. Vous arrivez et vous appuyez. Hop, et là, il y a marqué « Échanger la pièce de 2 euros avec le billet de 10 euros ». Et ainsi de suite. Tout ce que vous aviez en version carte, vous l'avez en version téléphone. Échanger la pièce de 50 centimes avec celle de 1 euro et ainsi de suite. Tiens, je le voyais plus gros le truc. Ouais, mais là, c'est parce que c'est pour le téléphone, c'est pas fait pour 30. Ah oui, voilà, oui. Donc c'est le téléphone, ça prend tout le téléphone. Tout à fait. Donc voilà. Donc du coup, ben oui, c'est exactement la même chose. Le résultat à la fin, ben, c'est le même. Hein. Dès que le spectateur élimine, je ne me rappelle plus, le truc de 50 centimes, tout le reste est pour lui. Et puis effectivement, il va s'avérer qu'à la fin, les billets, les gros billets, les grosses pièces disparaissent. Et il va se retrouver avec cette fameuse pièce de 50 centimes qu'il a mise au départ. Donc il n'a rien perdu. On vous fera la démonstration dans le prochain unboxing. Comme ça, vous verrez vraiment ce qu'on veut dire. On mettra les pièces, les billets et on refera la démonstration. Oui, ben on l'avait fait déjà. Ouais. Mais la démo. Une fois que c'est fini, je te referai la même démonstration en te mettant la pièce ailleurs. En te prouvant que si tu joues, tu gagnes. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc on le fera la prochaine fois. Ben oui. Donc de l'avoir fait en genre de tapis de... C'est pas bête. On dirait tapis de souris, voire même les tapis à la trébord du fil, à infroissable. Je suis sûr que ça fait partie des tapis infroissables. C'est ça. Et ben du coup, ben, c'est vrai que c'est bien. Voilà, ouais. Ça vous fait en même temps votre tapis, qui pourrait servir de tapis vraiment de magie en close-up très restreint. Des fois, parfois on peut rien poser sur les tables, voire même on pose rien. Ben là, pourquoi pas poser ça. Ça fait un truc de jeu. On peut poser nos cartes par-dessus. Ce qui fait que c'est notre endroit de travail. Et en plus, vous avez le tour qui est directement dessus. Donc d'une pierre deux coups. Exactement. On voit les flèches, on voit tout. Exactement. Donc c'est ça, ça choque même pas si on s'en sert pas en tant que tour. Ça fait vraiment tapis limite presque de magicien, puisque c'est que des trucs de jeu. Donc quand vous achetez Casino, vous pouvez acheter les cartes. Vous pouvez acheter la version tapis avec le téléchargement, l'application. Donc regardez, il y a plusieurs façons de l'acheter. Voilà, désolé Olivier, mais on le représentera la prochaine fois mieux. Mais Jérôme est pressé, et surtout qu'on a eu beaucoup de monde au magasin, et on a commencé en retard. C'est pas ça, c'est que là on a une heure de retard. Donc ça fait une heure qu'on m'attend quand même. Allez, on dit au revoir. Allez. Alors mettez des j'aime pour nous récompenser de tout ce qu'on fait. On finit juste, à chaque fois on me dit, et c'est vrai, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est... Alors, donc facile. Pour débutants. Facile. Ça, pareil, pour débutants, donc c'est facile. À part ça, ben, facile, puisque de manière, c'est l'application qui travaille pour vous. Ben là, donc, il n'y a rien de dur. Le plus difficile, ça serait les tours qu'il y a dans celui-ci. Quelques tours. Voilà. Et c'est tout. Tout le reste, ça reste du facile. Donc que vous soyez confirmé, débutant, averti, professionnel, tout ce que vous voulez, là, ça reste que du facile. Alors, il y a un monsieur qui m'a appelé, il m'a dit « Je vous remercie, machin bidule, mais j'aimerais bien vous écrire des mots, mais je sais pas. » Vous prenez, vous arrivez, vous mettez « Merci », un pouce, et c'est tout. On voit votre nom, on voit le « Merci », ça nous suffit largement. Donc voilà. Exactement. C'est pas difficile, mettez des « Merci », mettez des « J'aime », mettez des « Pouces », et nous, on sera contents. Allez. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.